Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gaëtan. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous suivent dans le chat. J'ai vu que vous étiez hyper impatients. Vous vous demandiez pourquoi on n'était pas déjà là depuis super longtemps. Mais si, on est là depuis très longtemps. Personne n'est en retard. C'est une session fort particulière aujourd'hui, puisqu'on va passer une heure et demie, un peu plus, jusqu'à ce que la température soit trop violente dans la pièce, ou jusqu'à ce qu'on ait vraiment trop faim avec vous. Et on va pouvoir observer Gaëtan qui travaille d'arrache-pied. Et qui transpire. Et qui transpire, ouais. Et ça, vous verrez peut-être pas la transpiration, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, bonjour Théo, Jérémy, Vanessa, Eji, Sébastien, Nota, Achille, Olivier, Olivier. J'ai vu qu'il y avait Alexandre tout à l'heure, Victor, Jean, ben voilà, tout le monde est là, c'est pas super. Jérémy. Pas Jérémy, Jérémy est déjà banni. Ah, non, on avait dit qu'on allait bannir Jérémy uniquement s'il disait trop de bêtises. Ok. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, levez la main. Qui assiste à la toute première séance sur la chaîne YouTube Adobe France ? Vous écrivez premier ou quelque chose comme ça dans la session. Ça fera plaisir de découvrir qu'il y a des nouveaux. Évidemment, vous connaissez le concept des chaînes. Hein. Si vous vous abonnez, vous pouvez recevoir les notifs de quand il se passe des nouvelles choses. Et en plus, si jamais vous trouvez des sujets qui vous intéressent particulièrement, eh bien, n'hésitez pas parce que, effectivement, vous pourrez par la suite. Nous rejoindre et mettre des petites clochettes pour vous rappeler que vous avez des camarades qui passent, notamment si je partage un petit bout de mon écran. Regardez, je me mets dans un coin là, voilà, et derrière, juste derrière, vous pouvez voir qu'on a donc Gaëtan aujourd'hui, mais que dès la rentrée en septembre, je reçois Nils Prayer qui fait quand même des jolies images. C'est plutôt sympa. Voilà. Je reçois Jérôme Bareil, qui est super fort en Illustrator, entre autres. Je reçois Gronet dans le cadre d'une session, puisqu'il va donner le Art and Talk avec IAMAG à la rentrée, le 14 septembre. Et enfin, je recevrai Madame Jessica Rossier, qui fait des superbes illustrations aussi. Donc, beaucoup de concept art. Donc, si vous êtes aujourd'hui là pour suivre du digital painting, je pense que ces sessions de la rentrée, en tout cas, devraient bien vous intéresser. Vous n'avez plus qu'à retrouver le contenu sur la chaîne Adobe France et demander justement à ce que vous receviez un petit rappel du moment où ça se met en place. Hein. Voilà. Gaëtan, dis-moi qui tu es, que fais-tu dans la vie, etc. etc. Décris-toi quelques minutes, quelques ouais. secondes. Allez. Ouais, secondes plutôt. Ouais, secondes parce que minutes. On a autre chose à faire, je comprends. Je m'appelle Gaëtan Welzer. Je suis peut-être plus connu sur le web sous le pseudo de Spartan. Donc, je suis illustrateur, concept artiste et surtout formateur depuis 2 ans. Sur digitalpainting.school, qui est une école en ligne et une communauté francophone que j'ai cofondée à l'époque. Donc je fais principalement ça aujourd'hui, surtout du coup de la formation, de l'accompagnement de gens, de l'animation aussi de la communauté. Alors l'accompagnement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que tu vas chez eux ou Je vais souvent chez eux, ouais. non, c'est surtout l'accompagnement via le forum. D'accord. Et puis au début, lorsque j'avais encore du temps, il y a fort longtemps, c'était aussi des cours personnalisés. D'accord. En direct. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis autodidacte. Mm-hmm. Voilà, ça fait maintenant quelques années quand même que je fais du painting, je crois bien 9 ans, quelque chose comme ça. Donc je suis autodidacte, hein, j'ai tout appris sur le web. Et du coup aujourd'hui, je me suis un petit peu fixé cette mission de rendre au web finalement ce qu'il m'a donné et puis d'étaler un petit peu mon savoir, de lui donner, de le disperser. Différentes plateformes. Quoi. Ouais, de pouvoir diffuser un petit peu tout ce que tu avais fait. Alors du coup, en arrière-plan, je vais nous mettre l'école que tu as fondée là récemment, la digitalpainting.school. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous collerai au fur et à mesure les petits liens qui vont bien dans le chat. En dehors d'Alexandre, d'ailleurs, il n'y a personne qui peut mettre de liens dans le chat. Hein. C'est vraiment que du spécial pour nous. Cette école, en fait, il y a pas mal de choses. Il y a des cours sur un programme qui fonctionne en 3 grosses parties. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais, volontiers. Vas-y. Ouais. L'idée avec ce programme, en fait, c'était pas de sortir juste un petit tutoriel ou une série de tutoriels, c'était de faire des vraies grosses formations où, en fait, on peut tout apprendre, soit de zéro, soit, même si on est déjà dans un certain niveau, se perfectionner. Donc, c'est un contenu qui est vraiment très riche, très lourd, et en fait, on voit tout, vraiment des bases. Donc, les bases en digital painting, comment est-ce qu'on va s'occuper, on va dire, de l'aspect technique,
réussir à maîtriser, on va dire, les outils numériques. Et puis après, il y a tout l'aspect, on va dire, ce qu'on appelle les fondamentaux en art. Ouais. Donc les bases en dessin, la perspective, la couleur, la composition, tout ça, tout ça. Donc c'est découpé à chaque fois en petits chapitres, et puis ça va jusque dans la partie 3, avec les techniques avancées, où ça parle justement de photobashing, de 3D, et aussi d'autres notions plus, un peu plus difficiles, on va dire. Comme jouer avec la lumière, l'atmosphère, des choses comme ça. Ouais, parce que ceux qui nous... mes utilisateurs habituels de la chaîne YouTube savent que moi, je fais surtout des tours d'horizon. C'est-à-dire que je leur présente comment va fonctionner Photoshop dans certains cas, etc. Mais pour tout ce qui est cours en ligne, pour de vrai, il faut une vraie grosse structure. Il faut bien organiser les contenus. Et ça, c'est effectivement ce que j'ai mis là en arrière-plan. Par exemple, pour le premier cours, il y a tout un programme où tu as complètement découpé les éléments que tu voulais présenter. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a bien intéressé là-dedans, c'est que tu as fait des galeries, enfin tes utilisateurs ont fait des galeries de progression. Et pour moi, c'est un des trucs fondamentaux là-dedans, c'est de voir comment les gens, même des gens avec un petit niveau, qui savait déjà un petit peu dessiner, était capable de s'améliorer et était capable de reproduire. Donc ça fait un petit peu comment dire, c'est un peu le thème, l'exercice de base de la Digital Painting School. C'est ça, c'est un peu l'exercice phare, quoi. Le tout premier exercice, et il y en a vraiment beaucoup, c'est ça, c'est de faire en fait un digital painting d'imagination, un petit peu comme on peut avec son niveau actuel. Et à la fin de chaque partie, donc au bout de quelques semaines et souvent de quelques mois plutôt, en fait c'est de le refaire. Mais cette fois-ci en mettant en application tout ce qui a été appris suite au cours. Et c'est vrai que généralement les progressions sont quand même assez, assez sympas. Et c'est vrai que c'est très motivant en fait pour les membres, les élèves, de voir que peu importe son niveau, sans être un professionnel qui a déjà 10 ans d'expérience, on peut faire des progressions assez rapides. Et, c'est ça. C'est, ouais, c'est assez motivant. Les fameuses 10 000 heures de Marc Simonetti, voilà. Enfin, qui sont pas de lui au départ, mais je sais que, en tout cas pour la chaîne, moi c'est resté ma référence, où il disait 10 000 heures pour devenir un professionnel dans un domaine, et après à vous de savoir dans quelle durée vous allez répartir vos 10 000 heures. Est-ce que vous allez les faire en 2 ans, est-ce que vous allez les faire en 10 ans? Voilà, et tout est une question d'investissement, et du coup c'est vrai que ça donne vachement envie quand on voit justement le travail des uns des autres, les avant-après. Je me demande d'ailleurs, dans les gens qui nous suivent, parce que ça discute mais à fond dans le chat, vous êtes super nombreux aujourd'hui, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent déjà les cours de la Digital Painting School? Et dites-nous un petit oui, genre oui, je suis les cours. Olivier. Et Olivier ne suit pas les cours de la Digital Painting School. Justement. C'est ça, hein. Il me semble bien. Olivier, il donne les tutos, mais il suit pas les cours. Bravo, c'est pas très très sérieux quand même. Du coup, j'ai 8000 questions de retard, je suis vraiment désolé. Le micro, c'est en ligne, il y a le replay, nanana, ah mince, trop rapide. J'ai hâte qu'on voit une photo de vous. Ah, comment ça se fait que Leonardus est présent ici? Leonardus a un compte YouTube? Bien sûr. Je savais pas. Ah non, mais il est partout. Hein. Il est partout, c'est fou. Il n'y a qu'un seul endroit où il n'est pas, c'est ici. Ouais, il manquerait plus que ça. Ouais. Tu m'étonnes. Donc ça c'est la Digital Painting School. Et il y a un autre truc qu'on va regarder ensemble, c'est plutôt, parce que comme tu le disais, tu as monté l'école que tu aurais rêvé d'avoir il y a quelques années. Et du coup, si je reviens sur cette page-là, qu'est-ce que je vais regarder? D'abord ton DeviantArt ou... Est-ce qu'on fait dans le douloureux dès le début? Ouais, allez. Ouais, allez, comme ça c'est fait, on va se revenir. Donc ça c'est toi il y a quelques années? Ça c'est moi il y a quelques années, ouais. C'était un des premiers paintings dont j'étais vraiment fier, quoi. J'étais vraiment très content de celui-là. Mm-hmm. Et avant ça, j'ai fait encore d'autres choses. Pire, bien pire. On les voit pas toutes ici, d'ailleurs. Ouais, il y a certaines, enfin les plus vieux, je les ai dans un sous-dossier. J'en ai déjà montré quelques-unes, mais là, voilà, il y a quand même des choses qui sont déjà assez vieilles. C'est ça que si tu vas vers le bas, on a notamment les toutes premières que j'avais postées. Donc ça, c'est lorsque j'avais déjà un peu pratiqué. Je commençais à être vraiment fier. C'était mes chefs-d'œuvre. C'est ça. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir dessus, de pouvoir se dire quelques années après, finalement, je fais mieux maintenant et je sais pourquoi. Je sais où je place mes lumières, comment je gère mes perspectives et tout. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je regarde une de ces images, je vois toutes les erreurs de perspective, de lumière, etc. Et en fait, ce qui est assez amusant, lorsque je regarde à chaque fois le passé de ma galerie, on va dire,
c'est de constater à quel point mes premières années d'évolution ont été vraiment très lentes. Ouais. Parce que justement, j'avais pas de cours. Tu n'avais pas de cours, mais par contre, tu passais du temps quand même dessus. Ouais, mais voilà, justement, je passais du temps, mais de manière très sporadique. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, je passais du temps une fois de temps en temps, en fait. Hein. C'était vraiment plus par hobby. Des fois, j'en faisais pendant 2 week-ends d'affilée, puis j'y touchais plus pendant un mois, puis je reprenais un petit peu. C'est vrai que j'avais pas d'objectif précis. Je voulais pas, en fait, me dire, tiens, je vais devenir concept artiste, illustrateur. Je pensais pas que je pouvais un jour avoir un niveau élevé, etc. Mm-hmm. C'est vraiment un manque de confiance en soi, finalement. Ouais, ouais. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, au début, bah, quand t'as pas d'objectif, en fait, tu progresses beaucoup plus lentement. Parce que bah, tu fais ça un petit peu quand tu veux, t'as pas confiance en toi, tu vas pas demander des critiques. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic, par contre, j'ai progressé beaucoup plus vite et on le voit que le tournant, tu vois, à partir de là, il est très rapide. Ouais, ça commence à être... Si on regarde cette image, c'est l'avant, en fait. Tu veux laquelle? C'est le... Par exemple, je pense que là où il y a eu un gros tournant, tu vois, c'est à partir de celle-ci. Ouais. Celle-ci et celle-là, tu vois, c'est des trucs qui ont quoi maintenant 2-3 ans, facile, 3-4 ans même plus. Je pense qu'il y a plus, parce que tout à l'heure j'étais en 2011, mais je sais pas où j'ai les infos sur chaque image. Je trouve pas. Enfin, c'est vrai qu'en tout cas, voilà, dès que j'ai eu cette espèce de déclic, j'ai eu une progression vraiment beaucoup plus rapide. Je me suis mis sérieusement, j'ai réfléchi à comment j'allais apprendre. Et c'est là aussi où je mets toujours cette petite nuance sur la loi des 10 000 heures. Ouais. C'est que bon, je pense que c'est globalement vrai, mais il y a aussi le facteur de la qualité du temps qu'on passe. Ouais. C'est-à-dire apprendre intelligemment et pas passer du temps bêtement, en fait. Mmh. Et une fois qu'on a justement une bonne méthodologie, qu'on a une certaine... qu'on sait vers où on veut aller, et qu'on fait ça de manière intelligente, on peut vraiment optimiser l'apprentissage et aller beaucoup plus vite. Ouais. Et comme ça, voilà, on va peut-être passer de 10 000 heures à, je sais pas, 5 000 ou 4 000, ce qui est déjà ça de gagner, quoi. Ouais, c'est-à-dire que surtout, non seulement tu t'améliores au fur et à mesure, tu es capable de voir plus d'erreurs, mais l'idée aussi, c'est que c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est le tutorat, c'est-à-dire avoir des retours critiques sur le travail de quelqu'un qui est neutre, parce que bah, de toute façon, que tu réussisses ou pas, c'est pas très grave, mais voilà, c'est pas du besoin professionnel, parce que ce sont tes images que tu fabriques, ouais. C'est pas les images de quelqu'un d'autre ou pour un client ou autre, enfin en tout cas dans un premier temps, mais c'est quand même l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens après qui vont faire des jeux de cartes, qui vont faire de l'illustration pour du jeu vidéo ou autre, et qui ont besoin de se faire un vrai portfolio. Tiens, je vois que ça discute encore. Ah, un petit grésillement apparemment sur le micro. Sur lequel? Apparemment le mien, ça m'étonne. Oh, tiens, non, ça, c'est dommage. Alors je vais l'écouter parce que je l'écoute pas tout le temps. Non, vas-y, parle. Dis des trucs. Test. Bonjour. Non, mais ça a l'air pas mal. Alors après, si ce que vous entendez, c'est la clim, on va rien pouvoir y faire. Non, je vais pas réussir à baisser un petit peu. Un peu comme souvent, le micro des invités sort un poil amplifié. Un poil trop amplifié. Allez, on va baisser le micro. Voilà, je vais lui baisser son micro. Vas-y, parle, dis des choses. Je dis des choses. Ouais, c'est ça, hein. c'est pas simple de te faire dire des choses. Ouais. Check. Ah bah. Voilà. Voilà. Hop. On devrait réussir à avoir quelque chose de correct. Ouais, bon, bah, si c'est pas très méchant, je vais passer 2 heures à remettre le son en place. Ouais, ouais. Je pense que vous arriverez tous à l'entendre et à le comprendre, et on va pouvoir avancer du coup un petit peu. Donc là, c'était les illustrations de ton DeviantArt, mais derrière, donc il y a à la fois le ArtStation, qui est un petit peu l'endroit où la plupart des gens qui font du concept, jeux vidéo, de la carte ou autre, exposent leur visuel. Mmh. Et puis, bah, surtout, toi, tu as directement une galerie dans DP School. Aussi, ouais. Forcément. Effectivement, d'ailleurs, peut-être que je pense à mettre à jour l'un et l'autre. C'est ça, en parallèle, que les images soient à jour des deux côtés. Exactement, ouais. Et donc ça, c'est des images qui sont beaucoup plus récentes, beaucoup plus travaillées. Ça, c'est encore des projets perso ou c'est des choses que t'as vendues? Alors ça, c'était fait il y a quelques années. C'était pour un collectif d'art digital international qui s'appelle Slash 3, dont je faisais partie. Ouais. Je dis faisais parce qu'en fait, il est plus actif aujourd'hui. Et donc c'était en fait à l'occasion d'un projet de ce collectif que j'avais fait cette image, si je ne me trompe pas.
Bon. Ah oui, plus de son, merde. Voilà, j'ai coupé le casque et tout le son. Voilà, normalement ça revient. On vous remet le son, promis. Son chaos, plus de son, qui a touché au bouton rouge, c'est moi. C'était pas un bouton rouge, c'était un bouton blanc. Il devrait pas être côte à côte, ces deux boutons-là. Voilà. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Revenu. Mais non, du coup, on parlait justement de ta progression et du fait que, comme tout le monde, tu ressentais tu ressentais de temps en temps des paliers, des moments où ça coinçait, où ça avançait plus. C'est inévitable et ça fait partie de l'apprentissage, que ce soit pour le digital painting, le dessin, pour un sport, pour quoi que ce soit. On apprend toujours par palier. Mm-hmm. C'est vrai qu'au début, on a toujours une progression généralement très rapide. Puis on a un premier palier, on va un petit peu stagner. Et puis ensuite, on reprogresse, puis ça restagne. Et c'est un petit peu, c'est un peu le jeu, en fait, hein, finalement. Mm-hmm. Et le tout, c'est de réussir, lorsqu'on a l'impression de stagner, c'est de réussir à continuer à pratiquer, pas se décourager. Mm-hmm. Et d'un coup, en fait, on va se réveiller un matin, on va commencer un nouveau painting, un nouveau dessin, et puis on va dire, ah putain, je suis étonnamment à l'aise, le résultat est bien parti, et puis au final, ça devient une illustration. Ces fameuses illustrations clés, tu sais, ouais. où tu ressens que tu as fait une petite percée. Et ça, t'arrives à le ressentir et tu le. Voilà, il y a vraiment. Je pense que ces moments-là sont vachement importants pour la progression parce que ça te redonne confiance en toi, ça te motive à. Juste à continuer finalement. C'est vrai que si t'as pas des petites victoires de temps en temps et que tu sais pas apprécier ta propre progression, c'est vrai que c'est vite décourageant parce que c'est quand même quelque chose d'assez long à apprendre. Mmh. Ouais, et puis surtout, chaque illustration, c'est pas juste une photo. Il y a quand même des heures de travail derrière. Un petit peu, ouais. C'est pas bon endroit, bon moment et déclenchement. Ouais. Faut aller un petit peu plus loin. Après, tu peux faire des speed painting très rapides et avoir très vite quelque chose de satisfaisant. Mais... Très bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de speed painting, est-ce qu'on te mettrait pas au travail un petit peu? Ah bah, on peut. Non, on va vérifier qu'il se réveille. Non, il a décidé de mourir. C'est pas drôle, ça. Si, c'est bon. La petite frayeur du moment. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau aujourd'hui, Gaëtan? Alors, pour cette masterclass, alors je sais que j'aurai pas beaucoup de temps, donc je préfère prévenir tout de suite. Ça fait un peu le mec qui se justifie. Ça va pas être terrible, hein, mais vous savez. Voilà, vous êtes au courant. Un peu pleurer, mais non, en fait, je vais faire de mon mieux pour essayer de faire une image qui sera, j'espère, assez cool, mais surtout dans l'objectif de montrer un process. Donc, il faut voir ça plus comme une espèce d'exercice que je vais pratiquer pour montrer, en fait, le début d'un processus, une méthodologie, pour commencer son image. Parce que là, évidemment, en l'espace de, je sais pas, une petite heure, j'arriverai pas, je pense, à avoir quelque chose de vraiment fini, de super beau. Parce que c'est quand même une image assez complexe, assez ambitieuse, puisque là, je vais partir sur une démo de photobashing. Là, c'est vraiment une technique basée sur de la photo pure et dure, sur une image qui n'est pas spécialement facile non plus, enfin qui demanderait en tout cas pas mal de travail. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible tout en expliquant ce que je fais, sachant que voilà, je voulais faire un truc qui change un petit peu, pas juste deux collines avec un premier plan avec un peu d'herbe, parce qu'on va essayer de faire autre chose. Ouais. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Il y a une question de Sébastien qui demande s'il va chercher à manger maintenant ou pas. Ça dépend combien il faut de temps pour déjeuner. Mais en gros, on s'est donné jusque 13h, un peu plus, 13h30, si on... Voilà, c'est tranquille. Ça. Mais ce ne sera pas beaucoup plus long que ça. On ne va pas faire 8 heures de session aujourd'hui. Mince. Mince, ouais, t'es déçu, hein, mais tu peux refaire 8 heures sur cette image. Alors, ce que vous n'avez pas vu aussi sur sur le début de session, parce que c'était avant qu'on branche tout, c'est que t'as quand même installé tous tes presets, tes brosses, t'as préparé des images avec lesquelles tu comptes travailler. C'est ça, ouais, j'allais en parler, ouais. Ah, pardon, excuse-moi de te griller tes effets. Pas de soucis. Non, mais effectivement, là, je me suis préparé en fait en amont un petit dossier avec quelques photos. Mmh. Vu que c'est du photobashing, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai fait les recherches un petit peu en amont. Bon, j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux faire. J'ai fait un rapide test, donc bon, on va voir ce que j'arrive à faire en l'espace d'une heure, sachant qu'effectivement j'ai pu installer mes brushes. Après, bon, je suis pas non plus sur mon setup habituel, donc je vais essayer de faire comme je le peux avec les raccourcis clavier, etc. Je commence. Allez, c'est parti. De toute façon, je mets pas de chrono. Hein, Ok. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez surtout pas. L'objectif de cette masterclass, c'est aussi que ce soit instructif au maximum. Donc moi, je vais essayer d'aller assez vite. Je précise quand même, vu qu'il y a beaucoup d'étapes, c'est assez long, je vais essayer d'aller assez vite. Donc si jamais je vais trop vite ou qu'il y a une question... C'est ça. Il y a Yvan qui s'est cru à l'école des fans et qui demande ce que tu vas nous chanter. Ou il serait déçu. Alors, là, je regarde déjà un petit peu les différentes photos dont je vais me servir. Je vais déjà les glisser dans le PSD pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais venir dessus après. Pour l'instant, je les masque juste.
Alors, qu'est-ce que j'ai ? Donc là, pour info, c'est juste un PSD vierge qui fait 100 cm en pixels. Il fait quoi ? Ouais, c'est à peu près du 1080p multiplié par 2 en 72 dpi. Donc bref, simplement un PSD horizontal, un fond blanc, rien de précis, rien de particulier. Je vais commencer déjà par enlever cet affreux fond blanc. Voilà, donc ça c'est premier conseil. Ne jamais commencer sur un fond complètement blanc. Je sais pas si ça fera pas trop de bruit. Là. Non, mais ça ira. Ils comprendront que comme ça tu dessines. Voilà. Chez vous aussi, ça fait du bruit quand vous dessinez. Ça doit dépendre des surfaces de tablette. Ok. Donc là, peu importe ce que je fais pour l'instant, c'est surtout pour m'enlever ce côté trop blanc qui peut toujours un peu bloquer. Alors je vais fusionner ça. Je crée un nouveau calque. Et là, je vais commencer à réfléchir un petit peu à la compo. Mm-hmm. Alors moi, je vais partir sur un environnement. Parce que j'ai envie de faire un environnement. Ça va être dans un truc un peu fantasy. Et donc là, j'essaye surtout déjà de poser la compo. Alors ça, je suis pas sur ma tablette habituelle. Donc je suis un peu... T'es un peu perdu. Ouais. Je suis un peu... Alors c'est un piège. Hein. Alors t'es pas sur ta tablette habituelle. En plus, j'ai collé un Mac. Ouais. Ouais, j'ai pas les mêmes raccourcis. C'est ça. Il y a un vrai challenge pour aujourd'hui. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas drôle sinon. Voilà, donc là, j'essaie surtout de faire déjà une espèce de forme intéressante, assez dynamique. Vous allez voir ce que ça va donner juste après, quand je vais plaquer de la photo dedans. Alors, pendant ce temps-là, je prends les questions au fur et à mesure. Il y a notamment une question de Daniel à laquelle je vais pouvoir répondre, qui est totalement néophyte sur le digital painting. Qu'est-ce qu'on appelle un photobashing ? Et photobashing, en fait, c'est qu'on va prendre des bouts de photos, qu'on va les assembler pour pouvoir réaliser une image finie, mais à partir d'images de référence, justement. Donc c'est un petit peu ça, c'est l'idée, c'est une session qu'on avait donnée il y a quelques temps sur la chaîne, je vais vous passer le lien dans quelques instants, avec Sébastien Hu notamment, qui était intervenu sur du photobashing, et je vais pas chercher You parce qu'on va retrouver plein de choses sur la teinte et la saturation, voilà. Effectivement. Ok, c'est... bon, c'est ça. Donc ça, et je vais couper le son, comme ça vous aurez pas besoin d'entendre Sébastien derrière. Check. J'ai réactivé un truc. On met ça. Ouais, je suis désolé, hein, je suis un petit peu lent pour l'instant parce que je règle encore quelques petits trucs sur Photoshop. C'est parce que t'es pas encore chaud. Ça va venir, ça, ouais, quand il fera 38 degrés dans la pièce. Mon dieu, décidément, je suis vraiment du mal avec les raccourcis. Bon, bref. Alors, je précise que là, ce que je viens de faire juste à l'instant, c'est un flip horizontal, enfin en tout cas c'est comme ça que j'appelle ça. Le miroir de l'image, voilà, de la droite vers la gauche. Transformation miroir, voilà, qui permet en fait de rafraîchir l'œil, la vision qu'on a de la création. Donc ça permet en fait de détecter les erreurs, parce que lorsqu'on travaille pendant plusieurs minutes ou plus des fois sur une image, en fait au bout d'un moment on s'y habitue, et on ne voit plus les erreurs, et donc le simple fait de faire cette petite transformation permet de revoir les éventuels problèmes, les erreurs, ou simplement de donner de nouvelles idées. Ok, bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Sinon, on est là pour 3 heures. Alors, on va rajouter un peu plus de courbe. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose très très courbé. Mm-hmm. Et en fait, maintenant, je vais plaquer une texture par-dessus. Alors, c'est là où justement, on va commencer à partir dans du photobashing. C'est que je vais commencer à utiliser en fait des photos. Alors, je galère un peu toujours avec les raccourcis, hein, je suis désolé. Donc, je vais notamment partir ici de cette photo de souche morte. D'accord, ça c'est des photos que tu as tirées toi ou c'est des photos que tu as récupérées? Alors sur un site? Alors ça c'est des photos que j'ai récupérées de photobash.org, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment la meilleure référence, je pense, pour concept artiste, illustrateur, pour n'importe qui, pour vraiment trouver ces photos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors je règle juste les outils, donc là je vais prendre l'outil baguette magique, tolérance à 32, c'est très bien. Donc là je vais sélectionner tout ciel, je vais inverser la sélection, hop, image I, c'est bon, j'y arrive. Alors... voilà, donc là j'ai isolé sur un calque cette espèce de petite souche, et en fait je vais lui faire prendre la forme ici que j'ai peinte juste en dessous. Donc là il y a un gros travail de déformation. Avant de faire ça, je vais quand même enlever les parties qui m'intéressent pas du tout, donc notamment les petites branches mortes qui dépassent sur dessus. Donc, je vais enlever ça. Oups. Alors il y a Leonardus qui est prêt à rajouter des challenges pendant la session. Ok. Non. Ils ont tous répondu, ils ont tous aidé Daniel sur ce qu'était le photobashing. Merci aux uns et aux autres. Je continue de lire tranquillement. Voilà. C'est comme de la photomanip, mais adaptée au digital paint. Voilà. Okay. Alors là, je vais faire une étape qui est assez amusante. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas, qui s'appelle la déformation de la marionnette. Pardon. Mm-hmm.
Donc ça va me permettre en fait de faire la moitié du boulot, on va dire, pour plaquer cette texture dans ma, mon espèce de courbe. Donc je vais dans édition, déformation de la marionnette. Évidemment, j'ai du mal avec ce mot. Et donc ça me fait apparaître cette grille. Et là, je vais placer des points sur ma grille. Voilà, à divers endroits. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer ces points. Donc là, je vais pouvoir vraiment manipuler mon objet et lui faire prendre à peu près la forme que je veux. Oui, non, d'accord. Hop. En plus, je t'ai mis sur un Photoshop tout neuf, ce qui fait que tous les messages d'insultes, il les a pas encore vus. Et donc, il va te demander ça. Alors, hop, je vais essayer de déplacer celui-là encore, voilà. Alors évidemment, le résultat sera pas parfait. Je vais pas réussir à le transformer juste avec cette manipulation-là. C'est pas le but, parce que sinon, comme vous le voyez, ça donne en fait des espèces de déformations qui sont pas très joyeuses. Donc, je vais rajouter un point ici, un autre là. Voilà, bon, je m'arrête là, ça me donne une certaine base, je valide, donc on commence à avoir une certaine courbure. Je vais descendre ça dans les calques, enfin si j'y arrive, je vais le faire à la main, pas au clavier. Ce raccourci là il marche, donc là j'ai passé en fait le calque en écrétage par-dessus la forme. Donc là elle n'apparaît que dans le calque qui est en dessous. Donc ouais, c'est le fameux Alt-Click entre deux calques. Voilà, ouais. Ou Ctrl-Alt-G, enfin ou Pomme-Alt-G. Ensuite je vais dans Filtre, Fluidité, donc ça c'est un autre outil super pratique dans Photoshop. Qui permet en fait de déformer un calque. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages de l'outil numérique, c'est d'avoir ce type d'outil. Et là en fait je vais déformer s'il veut bien. Alors ça va être parce qu'il n'affiche pas le fond. Alors est-ce qu'on est sur le bon outil? On est sur l'outil doigt. Alors, est-ce qu'il veut pas utiliser tous les calques? Ouais. J'ai le masque. Ok. Stylé, par exemple. Est-ce qu'il le fait mais il ne l'affiche pas? Non. Est-ce que tu es sur le bon calque? Oui. Ah ouais. Est-ce que tu as une sélection, une petite sélection, pomme D? Non. Oui. On va essayer, fluidité. Donc en théorie, c'est un super outil. Alors là, je sais pas. Mais aujourd'hui, il veut pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en écrétage? Normalement, non. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est la joie des lives. C'est ça. Alors attends, c'est pression distillée, regarde ici. Modification des traits, télécharger la au son de masque. Ok, alors là, c'est un mystère. S'il y a l'un de vous qui a une idée. Ouais, là, je sais pas. Attends, je vais tester un truc. En mode très bourrin, c'est est-ce qu'avec une souris ça passe? Ce qui va être très pénible, mais je veux juste éliminer cette hypothèse qui me fait du mal. Oh, putain, bien sûr. Non, non plus. Non, tout va bien. Donc il y a quelque chose. Pression du stylet, option, reconstruction, aperçu, on est bon. Tout restauré. Fais l'affichage du filet. Teste juste un autre. L'autre marche par contre. Les autres outils marchent. Juste, c'est celui-là apparemment qui ne va pas. C'est étrange. La joie des lives. Pression 1. Est-ce que la pression peut être un peu. Ah, ben voilà. Bravo. Magnifique. Ok, bon, voilà. On va refaire. Du coup, je remets pas de pression, on est bien. C'est pas un effet Bonaldi, mais ça y ressemble beaucoup. Ouais. Alors, ils sont en train c'est de. Ouais. Donc là, je commence en fait à déformer vraiment le calque, finalement, l'objet, pour qu'il rentre dans la limite du calque. On le voit en dessous en transparent, c'est pour ça que je l'ai mis en écrétage. Et en fait, je vais petit à petit le faire épouser cette forme. D'accord. Donc, évidemment, ça va déformer complètement les pixels de mon tronc d'arbre. Mais c'est pas grave parce que en tant que concept artiste on est des petits souillons et on aime bien bosser n'importe comment et faire des trucs un peu dégueulasses, donc c'est ça. Être capable de se dire que, mais dans ces cas là tu mettrais peut-être une petite remarque comme ça, tu demanderais genre, et alors là à ce moment là on va faire une petite remarque importante et il va falloir bien suivre le contenu, voilà. Ouais. merci qui vous savez, je pense que ça c'est une petite dédicace pour tous les gens qui suivent la Digital Painting School. Une petite ligne de texte comme ça qui apparaîtrait au bas. Voilà. Eh oui, enfin on s'amuse comme on veut, comme on peut. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu la fête et que je pouvais me le permettre. Bon, ça m'a l'air pas mal. Là, je vais regarder cette première édition, ce qu'elle a fait, juste affiner encore un petit peu ce qui est au bout. Puisqu'en fait, plus le bout de ma forme va être affiné, plus l'impression de perspective sera forte. Je pense que ce sera plus clair une fois que j'aurai mis le fond, le ciel, etc. Donc voilà, je vais déjà valider ça. On va regarder ce que ça donne. J'enlève l'écritage, je désactive le calque. Voilà, donc là j'ai cette espèce de tronc d'arbre qui a pris la forme que je voulais, c'est pas trop mal en plus. Donc maintenant je vais choper cette partie avec le lasso, je fais CTRL J,
enfin pas MJ plutôt, et je vais déplacer cette partie ici. Ouais. Voilà, pour avoir le petit morceau qui me manquait. Donc là encore, c'est pas exactement ce que je veux, donc on refait comme avant, là je vais un peu plus vite. Déformation de la marionnette, hop, marionnette. Je vais y arriver, hop, donc voilà. Donc là, à nouveau, je peux déformer mes points. Alors, je vois pas super bien ce que je suis en train de faire. Alors normalement, eux voient très clairement. Ouais. Parce qu'en fait l'écran est un peu bas. Voilà, je me cherche encore des excuses pour justifier. Mais c'est bien des excuses de temps en temps, tant qu'on avance en parallèle. Il y a Yvan qui te conseille d'arrêter les versions craquées de Photoshop. Je savais. Bravo. Merci Yvan. Voilà, donc là je fais un petit fondu avec un masque de fusion entre les deux. C'est pas parfait, mais on va dire que c'est pas non plus trop mal. Je vais faire un nouveau calque par-dessus. Je vais peindre directement pour essayer d'enlever le. On va dire d'arranger les parties qui sont pas bonnes. Voilà, par exemple ici, je vais revoir un tout petit peu la courbe. Voilà, ici on revoit la ligne, ok. On va dire que c'est bon, de toute façon, je vais avancer un petit peu. Donc là pour l'instant, ok, je sais, ça ressemble pas à grand chose. Mais la magie devrait opérer assez rapidement. Je vais maintenant glisser un ciel en dessous. Donc là c'est la photo que j'avais avant, juste ici. Donc une très très belle photo, encore une fois, qui vient de photobash.org. Donc ce sont des packs de photos qui sont vraiment faits pour le painting, à la base, pour les artistes, et qui sont vendus à des prix dérisoires. Donc pour 5$, 7$, on a des packs d'une super qualité. Et absolument tout le monde, tous les pros l'utilisent hein, quasiment. Donc ça, c'est déjà la petite astuce que... En tout cas, tous les pros du photobashing, c'est-à-dire des gens qui ont besoin des quarts d'image, des bouts, des petits morceaux d'image. Parce que vous savez qu'ici, on a beaucoup, beaucoup vendu du Adobe Stock en banque d'images. Mais c'est pas toujours adapté, effectivement. Quand tu vas prendre 2 cm² d'une photo, c'est un peu frustrant. Exactement. Donc, surtout parce qu'on n'a pas le besoin. Enfin, on s'en sert pas forcément comme objet final, en fait. C'est juste un matériau qu'on va prendre, étirer, et on va ensuite repeindre par-dessus. Et c'est vrai que c'est très bien pour justement des choses comme des troncs d'arbres ou des choses comme ça, de la végétation, où c'est plus de la texture, c'est pas des belles photos en soi comme on peut trouver dans une banque d'images classique, c'est vraiment très orienté pour les concept artistes. Quoi. Du coup, là, il manque des morceaux de ciel, donc je vais simplement les repeindre. Voilà, je vais faire ça assez vite. Alors, il y a des gens qui pensent à tes cervicales et qui trouvent que comme l'écran est trop bas, tu vas te faire du mal. Oui, je suis un petit peu recroquevillé. C'est ça. D'habitude, je suis pas bossu, hein, je vous le jure, c'est vraiment pour les besoins. On avait le choix entre lui mettre un écran trop bas et pas voir sa tête du tout pendant toute la session. Ça aurait été dommage de pas voir ma tête quand même. Ah oui, attends. C'est un peu pour ça qu'on te fait passer en live. Mais merci, Red Jorb. Hop, voilà. Donc là, je repeins ça vraiment rapidement. J'explique pas trop ce que je fais, parce qu'en fait, je reprends avec la pipette la couleur à chaque fois, hop, et je repasse par-dessus. Voilà, tout simplement. C'est aussi bête que ça, donc je suis à peu près les lignes. Là, je repars rapidement. Hop, et là aussi. Alors là, j'ai décidé d'enlever le soleil, parce qu'il est trop lumineux, il attire trop l'œil. Donc pour l'instant, je vais l'enlever, je vais le placer juste derrière la branche sur le côté. Je pense que ce sera mieux. Parce que sinon, en fait, voilà, ça créera une focale dans l'image. Ça sera beaucoup trop visible, trop voyant. Hop. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Côté droit, ça passe. Je vais dupliquer maintenant. Hop, ma photo. C'est bon, les raccourcis marchent. Je vais la mettre, comme j'ai dit, du côté gauche, comme ça je vais pouvoir garder mon soleil, mais caché derrière, juste pour ajouter un petit peu de lumière. Là, je vais pixeliser ce calque, hop, CTRL-T, et je l'étire. Ouais, du coup, toi, tu travailles complètement en mode je gomme les pixels et je fais des masques. Là aujourd'hui, ouais, sur cette technique, je suis vraiment en mode destructeur. J'utilise pas des calques dynamiques, etc., pour aller plus vite, et parce que je sais à peu près... où je vais, on va dire, je sais, j'ai une idée assez précise, et je sais que je vais pas revenir plein de fois dessus. Ouais. Si besoin, de toute façon, je repeindrai, en fait. Ok, donc là, je revois juste un petit peu la forme de ma petite branche. Je pense qu'elle pourrait être même un peu plus présente là-haut. Je reviens donc sur mon calque que j'ai ajouté ici. Je vais évidemment faire un petit fondu, donc je crée un masque de fusion, un brush de grande taille soft, et je gomme cette partie-là. Voilà, donc là c'est déjà mieux, je vais le redupliquer, et j'aime bien en fait juste cette partie jaune, là je trouve que ça ajoute des couleurs vraiment super belles dans le dégradé. Donc je vais essayer de garder juste ça, hop. Je vais l'étirer encore un peu, comme ça j'aurai juste cette petite ligne horizontale de jaune, comme ça, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de sympa, je sais pas, enfin vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Un petit pomme S de temps en temps. Eh ouais, ça le pomme S c'est indispensable.
Ah oui, ça. Ok, donc là, on va dire que ça y est, j'ai à peu près ma base. Donc là, c'est déjà plus sympa avec un peu de couleur. Et maintenant, en fait, je vais intégrer mon espèce de branche, ma liane géante, pour qu'elle s'intègre dans le ciel. Ouais. Donc en fait, j'explique le concept, comme ça, je pense que les gens comprendront mieux ce que je suis en train d'essayer de faire. Je vais transformer cette espèce de liane en une espèce de... pas de liane vraiment géante. Et en fait, je vais placer un petit village au bout, à l'intérieur. D'accord. Donc en mettant des petites lumières, etc. Et tout le truc ici, justement, c'est qu'à partir de ces photos-là, de réussir à faire comprendre les échelles. Parce que pour l'instant, bon, bah, ça ressemble à un tronc d'arbre déformé. Et ça ressemble pas du tout à quelque chose qui fait peut-être 2 km de long et qui est intégré dans le ciel. Donc là, maintenant, je vais travailler vraiment sur l'intégration de cette partie-là. Donc là, je vais notamment fusionner tout ça. Ouais, ok, donc là je regarde juste ce que j'ai fait au niveau des calques. Je pense que je vais faire le bourrin, je vais tout fusionner ensemble. Ok, ensuite je crée un nouveau calque par-dessus. Je le mets en écrétage. Donc comme ça tout ce que je vais faire ne dépassera pas de ce calque. Je vais commencer déjà. Je suis désolé, j'arrête pas de bouger ma tête. À cause du micro pour réussir à passer au-dessus. Ouais, en plus. Drôle. Donc là je commence déjà, à rajouter de l'ombre sur la liane. Donc, puisque le soleil en fait est à gauche derrière, donc on est en contre-jour, donc il faut respecter au maximum ça. Donc ça c'est le premier truc lorsqu'on veut intégrer des choses, et surtout en photobashing, il faut faire attention à la source de lumière, à la projection des ombres, etc. Tout à fait, pas se retrouver avec des ombres qui partent dans un sens et d'autres dans le sens opposé. Voilà, exactement. Donc là bon, je me baisse un peu pour voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air correct. Ok, ça rajoute de l'ombre, et maintenant je vais faire la même chose, mais cette fois-ci sur un calque en incrustation. Et je vais cette fois-ci ajouter de la lumière. Donc la lumière qui est rajoutée justement par notre petit soleil. Donc je prends avec la pipette cette couleur. Elle est très bien. Je pense que ça va le faire. Et en fait, je vais repasser ici sur les parties qui sont éclairées. D'accord. J'ai même l'impression que je vais prendre un truc un peu plus orangé. Ouais, histoire de teinter complètement. Ouais, voilà. Parce que là, on a quand même une scène, on va dire, assez crépusculaire. Les couleurs sont quand même très très chaudes. Mm-hmm. Donc on va essayer de respecter ça. Ouais, surtout qu'on était sur quelque chose effectivement de très coloré dans le fond. Donc ça serait dommage d'éteindre complètement l'arbre. Exactement, faut surtout vraiment qu'on respecte la lumière, qu'on ait une cohérence. Ok, je vais revenir ici sur le calque en dessous. Donc là maintenant je vais utiliser l'outil densité moins plus. Donc ça c'est un outil qui est super, qui permet en fait d'éclaircir ou d'obscurcir les valeurs d'un calque. Donc là par exemple, tu vois, je vais repasser un petit coup ici juste pour éclaircir encore plus ces valeurs. Comme ça les zones à la lumière ressortiront encore plus. Ensuite, mon calque en incrustation, je vais le baisser un petit peu. Là, je vais faire une étape, je ne vais pas la détailler complètement parce que sinon c'est un peu long. Mais en fait, je vais aller dans Sélection, plage de couleur, et avec la pipette, je vais prendre une partie dans l'ombre, juste ici. La tolérance est bonne, et en fait, ce que ça m'a fait, bah, c'est que ça m'a permis d'avoir une sélection, d'ailleurs qui n'est pas assez grande, de toutes les parties foncées. Donc, je vais la refaire parce qu'elle ne correspond pas exactement à ce que je recherche. Je vais prendre cette couleur-là, j'augmente la tolérance, je valide. Et je vais aller sur mon calque de lumière et je vais supprimer. Alors je sais pas si on verra bien la différence entre avant après. Je vais zoomer un peu, ce sera peut-être plus parlant. Tu zoomes, tu laisses le temps à YouTube de rafraîchir un tout petit peu. Ouais, avec comme ça les gens se disent, ah oui, il s'est passé quelque chose. Mm. Donc c'est effectivement subtil, mais on le ressent bien dans le creux de l'arbre. A priori, ça devrait passer. En fait, l'objectif de cette petite manipulation, c'est de rajouter de la lumière que dans les endroits qui sont à la lumière, déjà sur le tronc. Donc comme ça, les petits interstices entre les morceaux d'écorce ne vont pas être éclairés par le soleil, parce que logiquement ils sont de toute façon dans l'ombre. Voilà, je rentre pas plus que ça dans les détails, c'est une petite manip déjà un peu avancée. Et la petite étape sympa que je vais faire maintenant, qui va tout changer, c'est l'ajout de perspective atmosphérique. Donc là je reprends un brush soft, avec la pipette je vais prendre cette couleur dans le ciel, je vais prendre quelque chose de plus bleu, je pense même, alors on va prendre quelque chose comme ça, on va voir ce que ça donne, et je vais passer un coup sur mon calque. Je rechange la couleur. On va prendre celle-là pour le bout. Donc je fais vraiment un dégradé. Donc c'est-à-dire que ce calque que je peins, que je rajoute par-dessus cette liane, va être plus fort au niveau du fond. Mm-hmm. Et il va être plus subtil ensuite lorsqu'on arrive près du premier plan. Autrement dit, à la base à gauche. Et ensuite, évidemment, je vais juste baisser l'opacité de ce calque. Comme ça, ce ne sera pas trop fort. Voilà, on va mettre ça à 40% par exemple. Donc là, on commence à sentir déjà qu'il y a de la perspective, enfin de l'atmosphère pardon, entre nous et cet objet, donc on commence à avoir quelque chose qui s'incruste petit à petit. Là maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est faire comprendre l'échelle. Parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait pas quelle taille ça a, où ça se trouve dans l'espace. Donc pour ça, photo suivante. Une petite photo d'une ville, voilà. Je vais sélectionner
Des petits morceaux. Des petits morceaux de fenêtre, voilà. Ça va faire des petites lumières. Je fais pomme J. Je passe en superposition. Je les zoome. Ok, je regarde vite fait s'il n'y a pas des... Non, écoute, ils ont l'air plutôt contents. Je leur ai remis du son. Ils se posent les questions sur la pipette ou pas la pipette. Tout le monde a l'air heureux de voir tes manipulations. Donc, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste enlever ça. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai passé le calque en mode superposition. Donc comme ça, il va éclaircir ce qui se trouve en dessous. Et avec CTRL-L, j'ai en fait assombri tous les pixels qui étaient déjà sombres. En fait, pour le garder apparent plus que les lumières. Donc tout ce qui est en noir sur le calque ne sera pas affiché, tout ce qui est plus clair sera affiché. Donc là c'est le principe, hein. Si maintenant je montre ce calque, voilà, je le remets en mode normal, en fait on comprend mieux ce qui se passe, tout est noir, excepté les petites fenêtres. Et donc en mode superposition, il va afficher que les petites fenêtres. Donc là je vais juste redimensionner ça, on va le placer là. Donc là l'idée, moi c'est que j'ai bien envie de mon petit concept de mettre ça uniquement dans les parties à l'intérieur en fait, qui est protégée par les écorces. Dans les interstices en fait d'écorce. Je sais pas comment je peux expliquer ça plus clairement. Donc là par exemple, je duplique toutes mes petites lumières avec l'outil tampon de duplication. Donc ça c'est pour aller plus vite. Donc j'essaie vraiment de tirer avantage au maximum des outils de Photoshop. Et en fait je peins avec cet outil finalement. Ah, donc j'en rajoute un petit peu là, hop. Donc uniquement avec des petits coups de tampon. Voilà. Donc là on s'embête pas. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas être trop perfectionniste, je vais essayer juste d'arriver à un résultat qui me plaît assez vite. Okay. Olivier trouve que tu triches, mais je suis pas sûr que ce soit de la tricherie, tant que l'image est belle à la fin. Et moi surtout, je sais pas si Olivier est vraiment... Photobash plus pipette, c'est l'anti-DPS, nous dit Ronan. Absolument pas, absolument pas. Pas du tout, parce que ce qui compte, c'est vraiment le résultat, encore une fois. Et de toute manière, si on n'a pas les fondamentaux, on ne va pas réussir à avoir un bon résultat. Il faut quand même avoir les fondamentaux, comprendre la lumière, les couleurs, etc. Parce que sinon, on a beau faire du photobashing, on n'arrivera pas à un bon résultat. Et là, je le redis, je suis vraiment dans des techniques de concept art. Là, le but, c'est d'aller vite, d'arriver à un résultat détaillé et relativement réaliste. Je veux pas un style cartoon ou très illustratif. Je veux quelque chose qui, en a rien de temps, soit assez photographique. Donc là, effectivement, on n'est pas dans une méthodologie, comme j'ai pu le montrer dans certaines parties... des cours, des sessions, où on fait tout à la main. Là, c'est vraiment l'objectif. Le but, c'est d'aller vite. Et d'ailleurs, c'était aussi l'idée pour moi dans ce live, c'était de montrer un petit peu, finalement, comment sont faits la grande majorité des concept art qu'on trouve sur ArtStation, parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui sont dans ce style un peu photobashing, machin. Et je me suis dit, bah tiens, je vais montrer un petit peu comment c'est fait, puisque justement, c'est des méthodologies que j'ai pas encore trop montrées sur DP School, à part dans la partie 3, justement, qui est sortie il y a pas longtemps. Donc non, c'est pas du tout contraire à la philosophie, c'est juste une autre méthode de travail, c'est un autre outil. Oui, puis c'est un autre objectif au départ, c'est-à-dire que tu fais pas juste une illustration en tant que telle, tu vas un petit peu plus... faut que tu ailles vite, faut que tu puisses aussi être capable peut-être de décliner, parce qu'on en parle souvent quand on reçoit les concept artistes, c'est voilà, leur métier, c'est quand même de concevoir la bible visuelle pour que tous les autres utilisateurs... Dans la création du film ou du jeu vidéo puisse s'inspirer, puisse aller piocher des éléments, des idées, des ambiances. Exactement, et surtout là ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que là ce sont les premières étapes. Ce que je montre c'est le début de la création, donc c'est là où il y a le moins de peinture entre guillemets et il y a le plus de photos. Après justement il y a un très long travail que je ne ferai sûrement pas ou en très petite partie de repeindre par-dessus. Mais pour faire la base, hop, on jette les photos, ça nous permet d'avoir déjà toutes les couleurs, beaucoup d'informations qui sont présentes, une bonne texture qui est dedans. Ce serait idiot, selon moi, d'essayer de peindre cette texture à la main avec un tel niveau de détail, parce qu'on passerait 15 heures dessus, alors que là, on plaque une texture dessus et finalement, on gagne un temps qui est assez... C'est fou, visible, quoi. Ça reste compréhensible. Ouais. Et bon. De toute façon, pour toi, le focus, il est dans l'idée de, justement, cette ville intégrée. Exactement. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être juste dupliquer un peu le calque pour qu'on les voit un peu mieux. Voilà. Et on va rajouter encore quelques petites lumières par endroit. Voilà. Ok, je pense que pour cette étape, c'est bon. Je vais juste encore en rajouter un petit peu ici, peut-être. Voilà. Ok, donc là, on peut déjà commencer à imaginer un petit peu ce que c'est, mais il y a quand même encore du boulot. Alors, je vais créer, déjà, je vais renommer ce calque. Hop, et je vais en créer un nouveau par-dessus. Donc là, je vais commencer à repeindre un petit peu. Puisque en l'état, ma forme, c'est bien, elle a un certain dynamisme dans la compo, donc ça c'est déjà super intéressant, mais en soi, cette espèce de forme, voilà, je pense qu'on peut encore l'améliorer, et c'est là où en fait,
on va bosser l'étape de design. Donc là, moi, par exemple, je verrais bien des espèces de, je sais pas, de petits chapeaux comme ça. Donc c'est là aussi où justement s'arrête la technique de triche, entre guillemets. Mm-hmm. Elle a aussi ses limites. Faire du painting pour de vrai, quoi. Voilà, elle a aussi ses limites. Elle va pas, malheureusement, tout faire à notre place. Il va quand même falloir bosser un petit peu, quoi. Ouais, c'est chiant. Hein, c'est... Si seulement on pouvait. Alors, je pense que tu as un vieux pote qui s'appelle Arnaud Steckel qui nous dit qu'il était meilleur en tant que web designer à l'époque. Ah, salut Arnaud. Oui, je confirme. Décidément, il y a plein de trollers aujourd'hui. Je pense qu'en fait, on a fait une session spéciale troll. Ouais, je le sens. Bah, à partir du moment où on a vu Olivier et Jérémy, de toute façon, c'était foutu. C'est ça. Alors voilà, ok, je prends mon truc vite fait. C'est le risque un peu avec les trolls, on essaie de leur faire peur, on leur dit attention, vous avez le droit de troller, mais n'oubliez pas que tout ce que vous allez écrire sera retenu contre vous à l'avenir. Hein. Voilà. C'est ça. Ok, donc là je repars par-dessus, on va ensuite refaire la partie de la face qui est en dessous. Désolé, j'ai la voix un peu cassée. Donc la partie en dessous, on la verra puisque, en fait, d'un point de vue perspective, elle est au-dessus de la ligne d'horizon. Cette partie, donc ça veut dire qu'on va voir la face du dessous. Donc ça c'est très important, qu'on fasse du photobashing ou pas, il faut penser, comme je disais, à tous les fondamentaux, donc perspective, etc. Si on les maîtrise pas, on a beau utiliser de la 3D, des photos, etc., on aura un résultat qui sera pourri. Donc là je dézoome juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a une espèce de forme de champignon. Je vais cramer ça un peu plus. Un autre Olivier propose un volcan. Est-ce que c'est un volcan? Ça aurait pu aussi, ça aurait pu, ça aurait été sympa. Donc là, je vais multiplier maintenant encore ces petites parties. D'ailleurs, je vais peut-être les dupliquer. Parce que vu que j'ai de toute façon, je galère à peindre. Ouais. Affiche extra. Vu que je suis pas sur mes raccourcis, etc. Alors, il y a Vince qui dit allez plus vite. Donc, je pense qu'on va passer la session en anglais. Ah non, mais. C'est Vince, c'est petit Vince ou... C'est petit Vince. Ouais. Après, j'ai pas sa vitesse démentielle aussi. C'est ça. On peut pas tout faire. Ok. Ouais, j'aime bien cette idée. Je vais la poursuivre. Donc là, ce coup-ci, je vais rapidement en ajouter quelques-unes plus petites. Donc là, on peut voir que j'utilise le lasso pour peindre. Je fais pas juste au pinceau. Je fais le lasso, ça me permet de délimiter la zone plus rapidement. Encore une fois, tout ce qui peut m'aider, je l'utilise. J'ai même pas honte. Ok, je vais peut-être en faire un petit de ce côté-là aussi. Voilà, petite forme. Et du coup, pour la petite histoire, Arnaud travaillait avec moi justement lorsque j'étais encore web designer il y a déjà quelques années. Ça passe vite, mon Dieu. Donc c'est pour ça, ça fait plaisir de voir que ce petit polisson est là. Ok, encore un petit coup pour qu'on sente bien la face du dessous. Ok. C'est pas mal. Je rajoute encore une dernière petite forme comme ça. Alors celle-là, je pense que je vais la dupliquer si j'arrive. Je vais la placer là. Reprendre celle-là et celle-là, je vais l'agrandir. Hop. Kevin se réclame des brochettes. Je me suis dit que c'est peut-être un Art and Drink. C'est ça, on sait pas trop si c'est la suite du Art Weekend ou les prémices des Art and Talk de la rentrée par Yamai. Mais visiblement, on a exactement le même public. C'est vrai. Plus des gens qu'on connaît pas encore, donc j'espère qu'on les rencontrera tous au fur et à mesure. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, je vais m'arrêter ici, parce que je manque de temps, sinon je pourrais pas continuer l'image. Mais en gros, cette étape que j'ai commencé là, c'est un petit peu mon étape préférée, parce que c'est là où on travaille vraiment le design. Mm-hmm. Donc on part d'une simple shape, d'une simple forme avec une texture, et on va imaginer la forme, on va imaginer aussi ses fonctions. Par exemple, là je suis sur l'étape du design, donc j'essaie de réfléchir à quoi peuvent servir justement ces ajouts que j'ai faits. Et je me dis, tiens, il y a une ville, on peut voir que les habitants se sont réfugiés à l'intérieur de l'écorce, ils sont pas sur l'extérieur, mais vraiment dans les plis à l'intérieur, comme c'était pour se protéger. Donc peut-être qu'ils se protègent du vent, peut-être d'éventuels ennemis, on ne sait pas. Mais j'essaye en même temps de développer une histoire. Ouais. Et en fait, plus on va raconter une histoire et réfléchir à ces petites choses-là, plus en fait ça va nous donner des idées. Par exemple là, un truc qui vient de me venir, et qui je trouve pourrait être très sympa, et en même temps ajouter justement de la cohérence à l'image, et plus de réalisme. Je vais faire ça sur les calques que j'ai peints là. Je vais les fusionner. C'est que je verrais bien, par exemple, un système de transport dans cette ville qui fonctionnerait avec des œufs.
Il y a Leonardus qui réclamerait des lianes qui tombent de la ville. Mais tu vois, on n'est pas loin avec ton histoire de système de transport. On y est presque, hein, final. En fait, vous avez le même cerveau, toi et Leonardus. Ou alors, tu arrives à contrôler sans que je me rende compte comment. Et là, je suis impressionné. Je ne révélerai pas mes trucs. Donc voilà, je vais faire quelques petites nacelles. Voilà, donc là, je vais en peindre quelques-unes. Donc, je fais juste une petite boule. Voilà, comme ça. C'est pas très beau, mais lorsque je vais dézoomer, ça va suffire logiquement déjà à faire comprendre qu'il s'agit de petites nacelles, des choses comme ça. On pourrait en faire une de l'autre côté aussi. Alors ça, je vais peut-être la peindre avec une couleur plus lumineuse, qui allait dans le soleil. Ça a manqué de contraste, donc je vais faire ici lumière et ici de l'ombre. Hop. Pareil, donc j'ajoute une petite nacelle. Voilà, là aussi. Voilà, après on peut en rajouter encore plein. Je vais en rajouter une dernière ici. Avec un brush peut-être plus petit. Hop. Ok. Bon, ça commence à ressembler à un truc un peu plus vivant. Donc là, j'aimerais beaucoup continuer justement cette étape. Parce que, comme j'ai dit, elle est vraiment cool. C'est là que ça donne vie. Sachant que là, plus on va travailler ça, rajouter du détail, rajouter des lumières, etc., plus on va faire comprendre qu'il s'agit d'une ville. Mm-hmm. Là, pour l'instant, c'est plutôt des indices que j'ai mis, donc les indices de lumière, des petites structures où on comprend que ça a été fait par l'homme, mais il faudrait vraiment que je passe plus de temps pour qu'on comprenne complètement la chose. Malheureusement, il faut que j'avance, donc je vais passer un petit peu à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de créer un nouveau calque, et je vais peindre des nuages par-dessus. Alors, ça va être sympa parce que ça va tout de suite créer beaucoup de profondeur, mm-hmm. et en plus de ça, ça va intégrer la liane dans le ciel. Donc là, je vais prendre des custom wash, parce que ouais, j'aime bien la triche, hein. N'est-ce pas Ronan ? Donc je vais aller dans mes brushes, où est-ce que je l'ai mis ? Peut-être dans le nuage atmosphère. Donc logiquement, là, j'ai plein en fait de custom brush qui me permettent de faire des nuages très rapidement. Je vais montrer par exemple celui-là. Voilà, je vais prendre cette couleur, comme ça on verra bien. Donc là, pour faire de la fumée ou des nuages, bah, c'est parfait, ça va super vite. Je vais en montrer un autre, par exemple celui-ci, pour faire de la fumée. Voilà, le genre d'outils qu'on utilise pour vraiment gagner du temps et avoir des résultats plus réalistes. Et celui que je recherche, je crois qu'il est dans texturé nuage 1. Voilà. Donc là, il était mal classé. Donc je vais prendre celui-ci, donc il ressemble à ça. Mmh. Voilà. Et je vais essayer d'en faire passer devant. Alors, je vais revoir un petit peu sa couleur. Est-ce que ça, c'est bien ? C'est un peu trop saturé, je pense. Ok, c'est un peu trop clair. Hop. Ok, ça va bien. Oh, je me redresse un peu. Bon, de toute façon, si jamais la couleur n'est pas bonne, c'est pas grave. Je peux toujours revenir dessus après, parce que je fais ça sur un calque séparé. Ça, c'est le gros avantage, c'est d'utiliser tout ce qui est à notre disposition pour gagner du temps et nous simplifier la vie. Par contre, voilà, ça ne réagissait pas en fonction de l'opacité, de la pression. Attends deux secondes, il y a un truc bizarre, il y a un truc très chelou qui vient de se produire. Oh ! Ouais, on est pas mal. Ah, c'est sympa. Ben voilà. En fait, c'est une démo d'art contemporain, c'est pour ça. Mais là, j'ai plus du tout d'image de ton côté. Est-ce que ça vous a plu jusqu'ici ? Là, il me manque tout. Alors ça, c'est devenu noir. Ouais. Et winner is personne du tout. Oh bah j'espère que ça vous a plu. Ouais, parce que là on est bien. Là on est pas mal comme ça, on est plutôt bien. Je vais nous remettre un petit fond, comme ça on sera réglo sur le pas mal, Daniel, ouais, voilà. C'est un petit filtre, en fait. Ça fait complètement partie du live. C'est ça. C'est le moment où vous voulez discuter avec lui, vous voulez lui poser des questions, et bien c'est possible. Sachant que je rappelle quand même qu'on a à peu près 30 secondes de décalage entre le moment où nous, on parle, on pose des questions, le moment où vous les recevez, vous écrivez, et que nous, on reçoive les réponses. Donc si jamais il y a un décalage, c'est aussi pour ça. Ouais. Non, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que on a bougé la prise de fou, et donc il va donner des coups de pied. J'ai pas l'impression d'avoir bougé mes pattes, mais désolé. T'avais le pied dessus. Ah, voilà, on va être bien là. On va être tellement bien. Ça remarche ? Ouais, ça remarche nickel. Clac, allez. Super. Allez, je reprends. T'as Jérémy et Sébia, ces blagues, c'est incroyable. Et ouais. Mais okay. Bon, on arrive toujours à revenir à des trucs un petit peu. On y retourne. Alors, donc je reprends mon étape d'ajout de nuages. Donc là, je vais rajouter un petit peu partout là où je peux. Ok, là, la couleur me plaît déjà un peu plus.
Alors, il est quelle heure? Midi 26, ok. Non, t'inquiète, pour l'instant, tout va bien. Je te redonnerai pas l'heure au fur et à mesure, tu vois, c'est pas... De toute façon, je la vois. Il faut savoir qu'il y a personne après nous, donc tout va bien. Ok. Très bien, je pourrais rester ici 4 heures pour finir l'image. Donc là, en fait, je vais en rajouter quelques-uns. Bon, je fais ça assez vite, hein. Je fais ça... En vrai, ça, c'est vraiment une étape qu'il faudrait soigner, parce que ça ajoute du détail et que ça peut vite être assez beau, je pense, si on rajoute des nuages correctement. Mais là, je vais le faire plutôt rapidement, encore une fois, plus pour expliquer, montrer un peu le process, même si je le fais pas vraiment jusqu'au bout. Donc, je vais en rajouter aussi un petit peu là. Alors, ce qui est très intéressant et important, c'est de faire, en fait, des effets de superposition. Donc, c'est-à-dire que je vais pas volontairement placer tous mes nuages partout autour, mais surtout qu'ils ne passent jamais sur mon tronc, parce que waouh, j'ai fait un super tronc avec un petit village au bout, j'en suis super fier, super content, donc j'y touche pas. Au contraire, il faut oser repeindre par-dessus, il faut mettre un premier plan dessus, il faut mettre des nuages dessus. Plus il y aura en fait des superpositions de plans, plus on va gagner en profondeur. Rien que là, avec les petits nuages que j'ai rajoutés, et encore c'est vraiment pas terrible, rien que là, on ressent déjà qu'il y a plus de distance et plus de profondeur. Alors il y a Jean qui pose une question, visiblement, en étant sérieux, passer 30 ans, est-ce que c'est possible de se reconvertir et d'en faire son métier, d'après toi ? Oui, clairement. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui le prouvent très bien, dont Sébastien Hu. C'est ça. Voilà, par exemple, qui s'est aussi lancé dans la trentaine, peut-être même plus tard encore, en fin de trentaine, je ne sais plus. Fin de trentaine, ouais. Voilà. Moi, je pensais à Sylvain Romiguier. Il y a Sylvain Romiguier, il y a... Sylvain Sarah, il me semble qu'il a aussi commencé sur le tard, hein, je crois qu'il est déjà fin de vingtaine, début de trentaine, il me semble. Donc oui, il n'y a pas du tout d'âge, Stéphane Wouta, voilà, excellent exemple. Il n'y a pas de limite d'âge, vraiment, c'est juste une question de s'y mettre à fond, s'y investir vraiment à 100%, c'est surtout ça qui compte. Après, que tu aies 23 ans, 30, 35, le client s'en fout, le studio s'en fout. C'est ça, du moment que les images sont cool. Voilà, c'est juste le portfolio qui compte, c'est tout, en fait. Donc ça, c'est vrai que je reçois souvent sur DP School, sur digitalpainting.school, des messages de personnes qui veulent se reconvertir, ou des gens qui se lancent dedans à 35 ans, 40 ans, des fois même plus, et qui ont toujours cette appréhension de « Ah, est-ce que c'est trop tard ?» Mais non, il n'y a pas d'âge pour ça, et de toute façon, si c'est quelque chose qui vous amuse, qui vous passionne, faites-le. Il n'y a pas d'âge. C'est ça. Et Mao, la vie est trop courte. Mao fait une remarque judicieuse qui dit « mais faut pas avoir peur de bosser ». Ça, c'est vrai. Par contre, voilà. Faut, ça, de toute façon, ouais, c'est faut vrai. Se sortir les doigts. Ça, on va pas se leurrer. Ok, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Donc là, je rajoute un peu plus de lumière ici sur ce nuage-là. Donc on va dire que la partie gauche commence à capter la lumière ici du soleil. Ok, bon. C'est pas encore incroyable, mais... faute de temps, je vais passer à l'étape suivante et je reviendrai dessus après. En fait, j'explique aussi la chose quand même, c'est que moi j'ai un processus qui est assez peut-être un peu proche de la peinture traditionnelle, enfin de certains, en tout cas de certaines méthodologies où je fais pas un aspect à fond et ensuite je passe au suivant. J'essaie de garder à peu près le même niveau de finition partout et en fait je reviens tout le temps sur les trucs que j'ai commencé avant. Donc là par exemple j'ai posé mon tronc d'arbre, mais bien sûr il est pas du tout fini. C'est pas du tout ce rendu-là qui aura la fin. Parce qu'on va repeindre par-dessus, on va retravailler la texture. Si maintenant j'avais le temps, bah, je rajouterais peut-être même des petites habitations au premier plan, ce qui aiderait encore plus à comprendre justement que c'est une liane qui est habitée. On comprendrait encore mieux que ça, en fait, ce sont tout plein de petites habitations. Si on en mettait d'autres au second plan et ici jusqu'au premier plan. Donc ça aussi, c'est super important. Allez, je passe à l'étape suivante, je reviendrai dessus à la fin si j'ai le temps. Je vais maintenant créer un premier plan. Hop. Je vais tout de suite grouper ça, puisque là, c'est un petit peu ce qui manque pour l'instant dans l'image, finalement. Je trouve que le ciel est sympa, les couleurs sont belles, on commence à avoir un petit peu de profondeur. D'ailleurs, je pense même que je vais augmenter un petit peu la profondeur atmosphérique. Je pense que c'est un peu mieux. Je vais la dupliquer aussi pour la mettre par-dessus le village que j'ai peint. Voilà, en la baissant un peu. Et je vais donc rajouter un premier plan. Comme je le disais, en fait, il va venir équilibrer la compo. Je pense que c'est vraiment assez important. Je pense d'ailleurs que j'aurais dû faire ma liane un peu plus haute. Je vais peut-être essayer de la remonter un petit peu, parce que c'est vrai que je manque un peu de place. Hop, on va prendre tout ça. Je décale un peu. Voilà, hop, de cette manière. Ok, et celui-ci aussi. Hop, ok. Comme ça j'ai un peu plus de place. Je vais maintenant... voir pour mon premier plan. Donc là, encore une fois, comme au début, je refais le même processus. C'est-à-dire qu'avant de mettre ma photo, je vais d'abord réfléchir à la forme qu'elle va avoir. Donc c'est important de réfléchir d'abord en forme, en termes de méthodologie, avant de penser à la texture, au réalisme, etc.
je vais me baisser pendant que je peins. Donc je vais faire en fait simplement une liane qui va passer ici au premier plan, qui sera bien sûr beaucoup plus proche de nous. Donc ça veut dire qu'il faudra le faire comprendre aussi qu'elle est plus proche, avec des valeurs qui vont être plus, plus foncées. L'échelle aussi dessus qui va être différente. Par exemple, là, on comprend via les petites lumières, les nuages, etc., que c'est très très loin. Mais par contre, vu qu'ici on est prêt, bah, peut-être qu'on verra de la végétation dessus, peut-être qu'on verra des feuilles, des branches, du détail, chose qu'on ne peut pas faire là-bas. Donc ça, ce sont autant d'indices qui vont permettre de comprendre l'échelle, la distance, etc. Ok, je vais le faire plus petit parce que sinon ça risque de boucher un petit peu l'image. Ce serait dommage. Hop. Donc à chaque fois, c'est ajouter de la matière, enlever de la matière au fur et à mesure. Ouais, voilà. Sculpter c'est... les volumes. C'est ça. Bon, ok, je vais partir de cette forme-là. Je vais revenir sur mon petit dossier photo et je crois que j'avais quelques photos qui étaient pas mal. Ah oui, alors c'est espace sur Mac, ouais. Ouais, celle-là me plaît bien. Celle-là peut être sympa aussi. Ok, on va tester avec celle-là. Je vais glisser cette photo dedans. Hop. Voilà, donc je la mets dans mon document, je vais sélectionner avec le lasso la partie qui m'intéresse, donc moi ça va être cette partie-là. En plus c'est bien parce que tu vois, ça suit un petit peu la forme de... On croirait presque que tu savais ce que tu allais faire. Non, j'ai pas du tout préparé avant. Alors, bien sûr, j'ai gardé ça en tête lorsque j'ai cherché les photos. Je voulais justement... Pouvoir gérer les plans, les... Ouais, en fait, je savais précisément que j'allais avoir une espèce de liane avec cette forme, je savais que j'aurais un premier plan qui irait sûrement dans le coin à droite, j'avais en tête la compo, et donc j'ai cherché en fait ces photos en ayant ça en tête, pour qu'on ait déjà des lianes, ou des troncs d'arbres, des textures qui soient à peu près dans la bonne perspective, qui aient déjà un peu la bonne forme. Ça fait gagner beaucoup de temps, évidemment, pour la suite. Alors je vais prendre juste cette partie, on va voir ce que ça donne. Hop, CTRL-J, c'est pixelisé. Du coup, ça répond à la question de Johan qui dit d'ailleurs, Gaëtan, on ne doit pas faire sa compo avant. Bah si, justement. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Justement, là, je la fais au fur et à mesure. Mais là aussi, je le fais parce que j'ai une idée vraiment précise. C'est aussi ça qui me permet de le faire. Alors, je la mets juste en écrétage par-dessus mon premier plan, ici. Et je vais refaire la même chose qu'avant. Donc, je vais refaire filtre, fluidité. Je vais essayer de le faire coller à peu près, même si là, elle va être très, très déformée. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est technique de triche, certes, mais qui ne va pas vraiment peindre à notre place. Parce qu'en fait, je vais tellement déformer ici la texture que elle ressemblera de toute façon plus à grand-chose. Ça donnera juste quelques informations. Mais il faudra de toute manière repeindre par-dessus après. Et bien entendu, ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure ont bien vu que cette fois-ci, la pression était bien à 37 et pas à 1. Ouais. Vous aurez au moins retenu un truc important. Donc 1, ne pas shooter dans les câbles. 2, ne pas laisser la pression à 1. J'ai de longues pattes. Non, mais c'est adapté à ma taille, cet espace. Ok, bon. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc on se rend bien compte que c'est pas juste comme ça que hop, la photo elle est collée, c'est bon, ça va faire le job. C'est vraiment de l'approximatif. Je vais redéplacer ça. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre l'outil densité plus, juste ici, et il va me permettre d'obscurcir les pixels. Donc là tu vois où je passe, là où je passe en fait je vais bêtement obscurcir. Là je peux choisir d'obscurcir soit les tons foncés, soit les tons clairs. Donc là je vais partir par exemple sur les tons clairs et je vais essayer comme ça petit à petit de baisser la lumière parce qu'on a ces grosses highlights dus au soleil dans la photo qui ne m'intéressent pas du tout, en tout cas pas aussi fort. Ouais, plutôt à cet endroit-là dans l'image. Voilà, donc j'essaie de les enlever et je vais tout simplement ensuite repeindre par-dessus pour enlever tout ce qui m'embête. Et là je vais utiliser un outil que j'aime bien, j'aime beaucoup, je m'en sers de plus en plus. Je commence à devenir accro à cet outil que Photoshop a ajouté il n'y a pas trop longtemps, qui est le Mixer Brush, qui est juste ici, du coup c'est pinceau mélangeur en français, même si personne n'utilise ce terme au monde. Donc c'est le Mixer Brush. Mais si, les francophones utilisent leur Photoshop en français, bien entendu, s'ils suivent pas des cours en anglais. Alors, donc ce que je vais faire, je vais échantillonner tout ici, donc il faut que je coche cette petite box, parce que sinon ça ne marchera pas, parce que je suis sur un calque vide. Donc comme ça, il va échantillonner tout ce qui se trouve en dessous. C'est un petit peu un mix entre le pinceau et l'outil tampon. Pour faire ça, donc là j'ai échantillonné cette partie, donc comme ça je vais pouvoir peindre avec cette texture. Donc là il faut juste que je fasse les bons réglages. Je vais mettre la charge à fond, l'humidité on va la mettre vers 30%, je pense que ça devrait déjà mieux marcher. Mélange, on va baisser ça. Ok, j'ai complètement désactivé l'humidité, on la met à 0 et voilà. Donc là je vais zoomer un petit peu, je pense qu'on verra peut-être mieux. Je vais augmenter le pas ici à 28%. Voilà, et ça me permet en fait d'avoir cet effet-là. Et je pense que ceux qui traînent sur ArtStation, sur des galeries, etc., ont sûrement déjà vu ce type d'effet, en fait, dans les paintings et concept art des gens. Et en fait, c'est comme ça que c'est fait. C'est avec le Mixer Brush, certains réglages, un petit peu de pas
pour avoir ce côté un peu texturé. Et en fait, ça permet de peindre avec tout de suite de la texture et tout de suite les couleurs et les informations qui sont déjà présentes sur la photo. Donc encore une fois, c'est du gain de temps. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des rendus qui sont assez particuliers, qui sont assez cool. Lorsqu'on maîtrise bien l'outil, on peut avoir des rendus vraiment sympas. Tu vois, là, par exemple, si je veux rajouter de la végétation, tu vois, je prends cette partie en maintenant Alt et hop, tu vois, je peux peindre un semblant de végétation, quoi. Bon, ça, c'est un outil absolument génial. Alors que moi, je serais allé complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire éviter au maximum, justement, des répétitions trop mécaniques dedans. Et justement, nous, on en joue, en fait. On en joue parce que c'est pas quelque chose qui va rester à la fin. On va de toute façon repeindre par-dessus. Mais ça te redonne une matière, déjà, une texture, une couleur. Et ça, en fait, on gagne du temps, encore une fois. Alors, je vais juste, par contre, baisser le flux. Voilà, donc là, j'enlève aussi un petit peu la lumière. Je vais repasser sur un brush classique, maintenant. Et je vais repasser à certains endroits parce que c'est encore un peu... Il y a beaucoup de lumière. Je vais faire un petit flip horizontal. D'ailleurs, je pense que j'y verrai un peu plus clair. Voilà, ok. Donc là, je vois un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais rajouter un petit peu de détails là-dedans. Hop. Donc là, je pars à la main de manière assez classique. Je vais ensuite faire un nouveau calque par-dessus. Je mets en écrêtage. Je vais le mettre en mode produit. Non, je vais laisser en mode normal. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais prendre ici une couleur plus foncée et je vais repeindre par-dessus. Donc là, c'est simplement pour revoir les valeurs du calque, enlever encore un petit peu cette lumière parce que je ne veux pas autant de lumière. Ensuite, donc là, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais le gommer un petit peu sur le dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un calque de courbe. Mmh. Voilà, je vais le placer lui aussi en écrêtage. Tout à fait. Il est en écrêtage ou pas ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, ok. Donc là, il est en écrêtage. Et je vais aller dans la couche verte, ici, et je vais enlever du vert. Alors, peut-être pas autant. Je vois pas trop sur cet écran, j'ai des reflets, mais voilà, je pense que là, c'est mieux. Hop. Donc là, décidément, ce sera un peu plus sympa. Je vais encore revoir un petit peu les valeurs les plus sombres. Pas non plus soit trop sombre. Je vais rajouter un petit peu de rouge, parce qu'on a quand même beaucoup de rouge présent dans l'image. Et au niveau du bleu, je vais peut-être en enlever un petit peu. Je pense que ça... Non, finalement, on va laisser tel quel. Ok, donc là, c'est un peu mieux incrusté. Donc encore une fois, je le redis parce que je préfère me répéter, cette étape n'est pas terminée. La liane que je viens d'ajouter, elle n'est pas encore finie, tout comme celle-là d'ailleurs. Il y a encore du boulot dessus. Mais, encore une fois, je vais à l'étape suivante et j'arrangerai tout ça après au fur et à mesure. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit personnage sur cette liane. J'ai bien envie. D'abord, je vais juste revoir un petit peu sa forme. Je pense que là, je vais peindre directement dessus, de cette manière. Il y a Léo Lédevant qui demande « Pour que le digital painting soit terminé de façon propre et pro, faudrait combien de temps ?» Bonne question. Alors ça, c'est quand même une image, je pense, qui est assez ambitieuse, assez complexe, si on veut vraiment un bon rendu à la fin. Bien sûr. Donc là, je pense qu'il faudrait quand même une bonne dizaine d'heures pour avoir un truc vraiment propre. C'est pour ça, là, je vais essayer encore en 20 minutes de faire un maximum de trucs, au moins pour placer tous les éléments de la compo, faire comprendre vraiment le début de cette étape de photobashing. Et tout le reste, en fait, finalement, tout sera placé dans l'image, ce sera juste du détail, de la texture, homogénéiser un petit peu les différentes textures aussi, parce que pour l'instant, voilà, tout fait très photo, notamment le tronc ici. Ouais, là, c'est pareil, on commence à comprendre ce que c'est de la végétation, mais c'est pas encore incroyable. C'est pour ça que là, justement, je repasse un petit peu dessus au brush classique, pour essayer de rajouter un petit peu de variation dans la forme, dans le fond. Ouais, et puis pouvoir continuer à donner des notions d'échelle au fur et à mesure, ouais. Parce que ça va être vachement important aussi sur ce genre d'image. Exactement, c'est surtout ça le gros défi. Donc là maintenant, je vais mettre un petit personnage dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? J'ai un petit garçon qui va courir dans l'eau. Mais je pense qu'il n'est pas dans le bon angle de vue. Donc là, on a des gens qui marchent, donc on pourrait les faire marcher sur la liane. On a ici une demoiselle et ce mec qui saute. Alors lui, je pense que si je le mets là, on aura l'impression qu'il est en train de sauter dans le vide. Ça, c'est assuré. Voilà, donc si je mets celui-là ici, je pense que tout le monde aura l'impression qu'il se suicide, donc c'est pas forcément un bon choix. On va plutôt mettre la petite demoiselle et on va la transformer en une espèce de petite Lara Croft très très rapidement. Donc là, je la détourne. T'as pas découvert la sélection du sujet dans Photoshop ? Si, si, mais je suis old school. En fait, je vais tellement plus vite en faisant juste hop, un petit coup de baguette magique. Voilà, j'ai déjà ce que je veux et en fait, je vais la replacer là. J'enlève le petit bout en trop. C'est ça. On va aussi enlever la petite tache là au niveau des pieds. Je vais tout de suite l'obscurcir un petit peu d'ailleurs au niveau du bas.
Et hop, je repasse sur les tons moyens et je vais l'obscurcir tout court. Je vais la faire ensuite un peu plus petite. Voilà, on va la faire comme ça ici. Qu'est-ce que ça donne? Je dézoome un petit peu pour voir. Ok. Donc là, tout de suite, je pense que les gens vont s'en rendre compte. Hein, vous direz dans le chat. Mm-hmm. Le simple fait d'avoir mis ce personnage au premier plan, on comprend tout de suite beaucoup mieux l'échelle. Je pense que tout de suite, on comprend, ah ok, cette liane au premier plan, elle a cette taille. Donc ça veut dire qu'en fait, le truc qui est derrière, il est immense. Il est énorme. Ouais, normalement, tout de suite, hein. C'est un petit peu l'étape pivot qui permet de faire comprendre l'échelle. Ok, je vais la rétrécir encore un petit peu. Comme ça, plus je la rends elle petite, plus on va comprendre l'immensité du décor. Donc là, c'est un peu le but, hein, c'est vraiment faire un truc épique. Ensuite, je vais zoomer sur elle, je vais juste enlever les petits restes. Voilà, j'aurais peut-être dû faire un détourage plus propre, tu vois. Non, je dis ça, j'y ai rien. Ouais. Tiens, petit sondage dans le public. Qui a vu ici sélectionner un sujet à l'intérieur de Photoshop? Dès que vous utilisez l'outil baguette magique, vous avez un petit bouton en plus qui est arrivé en haut de votre écran. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, jetez un œil, ça peut vous servir. Hop. Donc là, j'enlève, je repars un petit peu sur son haut parce que je pense qu'il est très très clair. Ok, hop. On va lui faire un petit sac à dos. Ah oui, ok, j'ai le lissage activé. Hop, voilà. Bon, je pince ça à la main par-dessus. De toute façon, là, on n'a pas besoin de trop s'embêter avec les détails, étant donné qu'elle va être à très très petite taille dans l'image. Donc c'est pour ça que je vais vite. Je m'embête pas à faire, je sais pas, un croquis, des choses comme ça. Il y a Pauline Paulette qui veut un bâton. Pourquoi un bâton? Ah oui, pourquoi? Parce que forcément, c'est le stickman. Il faut toujours... en fait, c'est une espèce de blague de concept artiste. Ouais, on a un humour très bizarre. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait des environnements, on a toujours cette habitude, cette tendance pour la représenter à l'échelle, à mettre un personnage. Et très souvent, ce personnage a un bâton en main. Voilà, c'est l'aventurier avec son bâton. Donc, pour faire plaisir à Pauline, bon, bah, je vais mettre un petit bâton. C'est un bâton de ski, un bâton de tout ce que vous voulez. C'est pas un bâton de ski, mais pourquoi pas. On va du coup... Alors, je suis tellement une feignasse que je vais même pas repeindre sa main. Alors pourquoi j'arrive pas par contre à sélectionner le point? Bah, non, il veut pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà. Chut. Et on va faire ça au lasso polygonal. Voilà, on va lui faire son petit bâton. Chut. Non, peut-être pas trop grand non plus. Voilà. Et voilà. Stickman, stick girl plutôt. Je vais aussi revoir très très rapidement l'orientation de sa tête pour la faire regarder un petit peu plus vers la gauche. Hop. Donc là, ça c'est important comme information en termes de composition. Lorsqu'on a des personnages dans une image, que les personnages soient toujours orientés vers la focale, ou en tout cas vers les zones d'intérêt. Vers les zones d'intérêt de l'image. Parce que si par exemple on a un personnage qui est en plein combat, mais en fait il regarde pas du tout son adversaire, il est en train de regarder derrière lui, les oiseaux qui passent. Ça va un peu casser la scène. Ça casse un peu la scène et surtout, nous, ça va guider notre regard vers là où regarde le personnage. Donc, si on a un personnage qui regarde du mauvais côté, bah, on va regarder vers l'extérieur de la compo, ailleurs que la focale. Chercher ce qu'il est en train de... Par habitude, on va avoir tendance à regarder là où les autres regardent, tout simplement parce que c'est là qu'il y aurait le danger en général. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça la, la cause. L'idée départ. Ouais. Alors, certains de nos spectateurs auraient souhaité. L'avoir ramené une baguette de pain plutôt qu'un bâton, en fait. Mais, ça peut encore se faire, si j'ai le temps à la fin. Peut-être des croissants aussi. C'est juste Yvan qui s'est rendu compte que ça devait être vachement long depuis sa liane pour ramener le pain de l'autre côté. Bah, c'est pour ça qu'il y a des petites navettes. Voilà, tu vois, voilà, il y a des petites navettes. C'est exactement la réponse. Faut juste qu'ils étirent encore la ligne jusqu'à elle, quoi, mais... C'est ça. Mais par contre, voilà, ça, c'est une remarque qui est intéressante. Du coup, je rebondis là-dessus. Le prolongement de la ligne. En fait, je dis ça parce que cette répétition de ligne permettrait encore une fois de comprendre l'échelle. Mmh. Si maintenant, je vais faire vraiment en mode croquis très rapide, je suis désolé si c'est très brouillon, mais je pense que c'est un point intéressant à souligner. Si on avait justement des navettes comme ça qui passaient, alors je vais juste mettre ça en dessous des nuages que j'ai peints. Putain. Je commence à avoir beaucoup de calques. Hein. C'est ça. Commence à avoir beaucoup de calques pas complètement nommés, ça va pas être simple. Ouais, effectivement. Ok, admettons qu'il y aura une navette ici. Cette partie-là, du coup, le câble, je vais le rendre un peu plus large. Ah, j'ai perdu mon calque. Ok. Et en fait, les navettes qui sont en dessous, bah là, je vais les peindre un peu plus grandes. Ça, on va comprendre qu'on se rapproche. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, on la fait un petit peu plus grande. Là, on va en faire une qui est entre les deux. Elles sont vraiment très très moches.
Il y a Likalidal qui me dit, mais tiens, d'un point de vue distance entre le premier et le deuxième plan, ce serait pas plus judicieux d'avoir un autre élément qui nous informe sur les échelles. Bah voilà, bah c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça qu'en début de live, je parlais d'autre chose, mais ça par contre, j'aurais pas du tout le temps de le faire. C'est justement l'indication pour moi ici, dans toute cette zone qui est à gauche, là. Ici en fait, j'aurais pas le temps, mais je le dis et je le redis. Là, il faut ajouter des éléments de 1, de storytelling, et de 2, qui vont permettre justement de renforcer ce sentiment d'échelle et de distance. Donc si on reprend justement une petite hutte, et qu'on la peignait ici... Il faut absolument qu'elle soit beaucoup plus lisible que ce qu'elle est... Voilà, on ferait une petite hutte, enfin plutôt une série de huttes, parce que justement si on représente, si on garde l'échelle, en fait là on verrait peut-être des petits toits, et là on en verrait, voilà, 1, 2, 3, 4, et on retrouverait les petites lumières qu'on a ici, hop, si j'arrive à choper... Une chaud. Couleur un peu orangée, ouais, c'est un peu chaud. Attrape le ciel, attrape le... Hop, on va faire ça comme ça. C'est un peu gros. Ouais, qui permet quand même de retrouver un peu l'idée c'est de fenêtre. C'est petit maintenant, mais... Ah, c'est pas simple. Voilà, bon, c'est fait à l'arrache, mais là, voilà, on pourrait juste distinguer qu'ici, on a en fait une partie de ce petit village, avec, avec des toits, etc. Comprendre qu'on en a plusieurs. Là... On permet non seulement de comprendre en fait ce que c'est, mais surtout le fait de le voir à gauche, on va comprendre que c'est ce que, c'est qui se chose, répète voilà. ici. C'est et donc si on en fait tout le long, par exemple, on peut faire ici une partie de village ici, une autre partie là, bah à force, on va avoir donner l'idée et bien voilà, je leur mets à la bonne échelle. Bien raconter l'histoire. Exactement. Et dernier petit conseil que j'ai envie de donner par rapport à ça. Ça, c'est très important et c'est une des notions justement de compo que j'ai mis du temps à comprendre. C'est que c'est très intéressant, il faut essayer de le faire, enfin, en tout cas dans certaines images, de faire un lien entre le premier plan et l'arrière-plan. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si j'ai mon arrière-plan qui est ici avec ma focale, plus on va avoir quelque chose qui le relie à moi, à mon premier plan, plus ça va être intéressant. Plutôt que si maintenant j'avais par exemple ma liane qui passait comme ça. On n'aurait pas du tout le... Voilà, on sent juste qu'elle est, voilà, elle est à 3 km de nous, mais on sent que c'est un plan qui est complètement séparé de nous. On n'a pas ce côté en perspective où on s'en rapproche. Bon, je sais pas si c'est super clair. J'en profite d'ailleurs pour repeindre un peu le bas. Parce que derrière, on a un petit peu le... On a des gens qui échangent aussi derrière. Tiens, Astron qui redemande à quoi ça sert d'inverser l'image. Donc c'était pour rafraîchir un petit peu son œil et son regard dessus et voir les erreurs flagrantes. Ronan qui nous abandonne. Oh, Ronan, tant pis, une prochaine fois. Salut Ronan. Ok, et je vais faire un dernier truc sur le personnage. Je vais récupérer sa sélection. Je vais faire un nouveau calque et je vais juste l'assombrir un petit peu pour que ses valeurs soient cohérentes avec notre premier plan. Elle est juste un petit peu trop claire. Hop. Est-ce que c'est mieux ? Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Ensuite, je vais faire une autre étape assez rapidement. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire ça vite, mais c'est juste pour montrer un petit peu ce procédé à partir de photo bashing. Parce que comme je le disais, ce tronc d'arbre, on ne va pas le laisser tel quel, parce que bah, ça se voit que c'est une photo qui a été fluidifiée, c'est pas... Voilà, c'est pas encore super propre. Donc là, il y a un travail d'harmonisation à faire par-dessus. Donc moi, je vais faire ça sur un nouveau calque. Je vais l'appeler Mixer Brush. Et je vais faire ça justement avec ce fameux outil. Donc le Mixer Brush, je garde à peu près les mêmes réglages qu'avant. Mais je vais mettre un peu d'humidité quand même. Et je vais échantillonner tout ce qui est en dessous. Je vais prendre en fait des bouts de texture à certains endroits. Et je vais repasser de cette manière par-dessus. Donc là aussi. Donc en fait... L'intérêt de cette technique, c'est que ça va enlever du détail, on diminue le niveau de détail, tout en gardant quand même quelque chose de texturé. Donc ça nous permet en fait de reprendre le contrôle sur les détails. Donc on fait ça une première fois, une première passe. Donc comme ça, comme j'ai dit, on casse un petit peu bah déjà les courbes un petit peu bizarres qu'on a obtenues à cause de l'outil fluidité. On casse le côté photo trop parfait et trop détaillé aussi, puisqu'on attire trop l'œil. On ne veut pas attirer l'œil vers le tronc ici, parce que ce n'est pas la partie intéressante de l'image. La partie intéressante, c'est là-bas. Et ensuite, l'étape suivante, que je ne ferai pas, parce que justement, je n'ai pas le temps, mais je le cite. Ouais, si je reste là jusqu'à 20h. C'est ça. C'est de repeindre par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je conseille toujours. C'est OK, c'est bien de faire du photobashing, mais il ne faut pas se reposer entièrement sur les photos. Enfin, pas dans tous les cas, en tout cas. Après, il faut être capable quand même de ramener une patte perso pour qu'on oublie complètement la photo, peut-être. C'est exactement. Faut pas... En fait, l'idéal, vraiment l'objectif suprême, c'est qu'on ne voit pas la différence entre ce qui a été peint et ce qui a été photobashé. Et c'est notamment en passant par ce type d'astuce, avec le Mixer Brush, qu'on va y arriver. Donc là, par exemple, j'adoucis les bords. Donc encore une fois, c'est pour faire baisser, diminuer un petit peu le niveau de détail.
On s'est toujours un petit peu frustrant lorsqu'on est en live, hein, parce que bah, on n'est pas dans les conditions optimales, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien montrer l'intégralité de ce process. Et c'est un peu frustrant de devoir plus le mentionner ou le montrer vite fait que de pouvoir vraiment le montrer. Mais j'espère quand même que c'est compris. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Ok, on rajoute un petit peu ça. Ok, en fait, le principe, c'est ça. C'est qu'on va repeindre vraiment sur l'intégralité. On va ensuite ajouter voilà, un petit peu de village, peut-être une navette qui va passer. Ensuite, mes nuages, là, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Donc, je vais rajouter, je vais revenir par-dessus le ciel. Hop, ici. Je m'étais préparé, il me semble, des photos encore de ciel avec des nuages. Donc, je pense qu'on peut encore travailler le fond. Je vais prendre celle-là. On va la glisser dedans. Symétrie d'axe horizontal, si j'arrive. Attends, décidément. Hop. Ok, donc là, j'incorpore une autre photo à l'intérieur. On va placer ça là, ouais. Hop. Donc je la mets assez petit. On va faire des petits nuages. Je pense que ça va rajouter en fait un petit peu d'intérêt pour pas avoir quelque chose de trop vide autour non plus. Évidemment, je vais pas laisser ça tel quel. Je vais lui mettre une courbe. Donc comme ça, je vais pouvoir revoir ses couleurs. Donc là, on va rajouter du rouge. On va enlever du bleu. Il y a un truc qui marche pas mal dans Photoshop là-dessus, c'est la concordance des couleurs, mais je sais pas si c'est simple à utiliser. J'aurais pu utiliser, effectivement, c'est une bonne remarque. Je m'en sers des fois, et d'ailleurs dans ce cas je pense que ça aurait pu vraiment très bien marcher. Ouais. Vous irez regarder pour ceux qui savent pas où ça se met en place, ça se passe dans images, réglages, correspondance de la couleur. Et c'est assez ouf comme technique. Je vais, tiens d'ailleurs, okay. Soyons fous, je vais vous partager un bout de mon écran dans un coin pendant que monsieur travaille dans le sien. Je vais essayer de trouver une image que je vais mettre en correspondance. Check. Ok, on va dire que là c'est à peu près bon. Voilà, on va dire que les couleurs sont à peu près bonnes. Je vais rajouter un masque de fusion. J'enlève évidemment toutes les parties que je ne veux pas garder, juste garder certains nuages. Je sais même pas quelle partie, je vais peut-être l'agrandir un peu d'ailleurs. Photo. Décidément. Hop. On va mettre ça comme ça. Je vais mettre ça là. Hop. Je le pose. Je sélectionne ensuite avec l'outil baguette pour aller vite mon ciel. Tiens, juste pour faire le malin. Ici, j'ai deux. Donc, on me voit travailler dans un coin. Ouais. Quand j'ai posé une image donc sur une capture d'écran de ce qu'on avait fait tout à l'heure, et je vais dans le menu images, réglages, et je vais lui demander là-dedans. D'aller chercher la correspondance de couleur de le... Alors pardon, pourquoi je l'ai pas? Parce que je fais le malin. Faut jamais faire le malin. Voilà, faut bien pixeliser le calque du dessus. Si c'est une image qu'on vient de récupérer, voilà, pixeliser le calque. Image, réglage, correspondance de la couleur. Et là, du coup, je peux lui demander d'aller piocher directement depuis l'image du fond, au niveau de la source. Là, je vais récupérer depuis ma capture, et je vais récupérer mon calque 1. Et là, à partir de là, il va essayer de me récupérer une partie de la luminance et de l'intensité de couleur. Ça peut être un truc qui peut être pratique, justement, pour mélanger deux images qui, je vous le rappelle, n'avaient rien à voir du tout ensemble. Voilà, c'était une petite intervention de Franck, parce que je m'ennuie. De Franck Baril. Non, alors je n'ai pas le niveau du maître. Le sensei. Alors là, je fais une petite astuce, je reduplique en fait ma texture, celle que je viens de faire. Et je la place en superposition, donc comme ça je vais pouvoir en fait rééclaircir ce qui est déjà en dessous. Et avec les niveaux, je vais obscurcir, je vais rendre noir tout ce qui est en dessous. Donc en fait, là, l'objectif, c'est que je vais éclaircir uniquement les highlights, donc uniquement les tons les plus clairs. D'ailleurs, je pense que je vais encore l'exagérer pour que ce soit vraiment visible juste sur une petite partie. Ensuite, je vais faire CTRL-U, donc là je vais désaturer un petit peu ce calque parce que sinon les couleurs sont quand même très jaunes. Donc là, je pense qu'on a des couleurs qui montent. Pas l'air trop dégueu. Je vais faire ça. Ok, je vais masquer à certains endroits. Ok, là je vais essayer d'accélérer parce qu'on arrive vers les 13h. Il y a tout, il y a tout. Je t'ai pas encore mis dehors. Ou alors c'est que tu sens qu'il commence à faire chaud. Ça va. Je m'attendais à pire. Mais ça commence. Ok, maintenant je prends un brush et encore une fois je vais repeindre par-dessus. Donc là, c'est toujours ce même souci de ne pas être dépendant des photos. Ça, c'est le gros problème en photobashing, c'est la grosse difficulté. Donc là, je repeins par-dessus, hop. Alors, je suis désolé, j'ai pas mes raccourcis clavier habituels, du coup, je suis un peu plus lent. Donc toujours bien préparer ces raccourcis clavier, c'est super important. Si on les oublie, ben... Et ouais. Voilà. Tant pis pour vous. Donc là, je revois un petit peu la forme des nuages, j'essaie d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus...
plus intéressant, donc j'hésite vraiment pas à repeindre par-dessus. Je sais que j'insiste là-dessus, sur ce point, mais en photobashing, c'est vraiment le truc le plus difficile, parce que tout le monde, notamment les débutants ou intermédiaires, voit ces techniques que tous les pros utilisent, et puis, comme l'a dit Ronan, oh, bah, c'est de la triche, c'est trop bien, c'est trop facile. Et en fait, tu as toujours ce risque de rester bloqué sur les photos. En fait, tu restes bloqué sur les informations apportées par la photo et tu n'oses pas repeindre par-dessus, tu n'oses pas aller plus loin, tu n'oses pas créer tes propres formes. Et au final, tu restes avec une espèce de photo manipulation un peu bancale parce que voilà, tu n'as pas manque de confiance, manque de technique. C'est pour ça justement que c'est des techniques à la base que je déconseille aux débutants purs. Vaut mieux, comme le disait Ronan au début, je pense que c'est peut-être ça qu'il voulait dire, je ne sais pas. D'abord, bosser les fondamentaux. Vraiment, c'est important. Et ensuite, se diriger vers ce genre de techniques qui sont certes plus rapides, certes plus fun, qui peuvent faciliter certaines parties du process, mais qui font quand même pas tout à notre place, quoi. Ok, bon, voilà, ça c'est... On pourra alors, bosser dessus. Ils sont tous en train de te conseiller un commande Q pour sauvegarder proprement ton painting. Oh, mille merci. Effectivement, ouais, fallait bien me le dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors n'oubliez pas aussi que si vous avez pensé à régler les préférences de votre Photoshop, il vous fait des sauvegardes régulières en arrière-plan. Et il évite de cracher. Mais par contre, il faut le régler au moins une fois dans la vie de votre Photoshop. Ah, c'est très bien de le rappeler, ça. Ouais. Okay, ça, bon. Ça fait toujours la petite blague, genre, mais je pensais qu'il le faisait. Oui, il le fait. Il faut lui demander. Ah, il devrait le faire de base. Ce serait encore mieux. C'est ça. Je pense que les gens qui manipulent des fichiers de 4Go trouveraient ça pénible. Mais non. Ok. Hop, je repasse un petit peu dessus. Donc là, j'éclaircis juste un petit peu les ombres. Je pense que c'est peut-être un peu trop... trop foncé, sinon ça risque de trop attirer l'œil. Faut pas non plus justement que ces nuages soient trop détaillés et qu'en fait ils prennent le dessus sur ma focale, sur mon espèce de village. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu les atténuer. Et c'est pour ça que j'enlève aussi du détail en repeignant par-dessus. C'est l'objectif parce que sinon on va avoir ce type de problème. Donc là je repasse dessus pour repeindre, enlever du détail. Et du contraste aussi d'ailleurs. Hop. Voilà, après je peux peindre à la main évidemment plus de nuages, la faute de temps je vais pas aller jusqu'au bout de la manip, mais c'est le but. Donc là les nuages c'est vraiment, enfin moi je vois ça un petit peu comme de l'habillage, c'est pas ça qui va faire grand chose dans la compo, c'est plus pour embellir, pour ajouter quelque chose, renforcer l'atmosphère, la beauté du ciel, etc. Ça, on sent bien gaffe effectivement à ce qu'ils attirent pas plus l'œil que le reste. Ouais, c'est surtout ça qui est très très important. Ensuite je crée un nouveau calque, je vais prendre cette couleur ici, et je vais juste passer... un petit coup de brush comme ça, juste en dessous en fait de mon espèce de liane champignon, voilà, de cette manière. En fait, si maintenant je rezoome et que je supprime et que je réactive ce calque, alors je vais juste enlever ces extras là, voilà. En fait, on se rend compte que ça fait juste un petit peu plus ressortir la liane. La silhouette ressort un peu plus et je pense que c'est plus clair ainsi. Maintenant, je vais revenir ici sur ce calque. Et en fait, à partir de maintenant, je vais justement commencer à rentrer dans mon processus où je vais petit à petit retourner sur chaque partie de l'image. Donc je vais rebosser un petit peu les lianes, puis je vais repasser sur le ciel, puis je vais refaire des nuages, puis je vais aller sur le premier plan. Et je vais tourner en boucle comme ça jusqu'à être satisfait et jusqu'à ce que j'ai ajouté tous les éléments que je voulais. Donc là par exemple, j'ai bien envie de rajouter encore un peu les nuages, parce que je pense que des nuages un peu plus beaux, plus réalistes, plus sympas, ça ferait vraiment un très bon job ici. Alors, je vais juste mettre ça par-dessus. Hop. Alors mon PSD est une horreur, je montre toutes les mauvaises pratiques... il ne faut pas faire. T'as renommé aucun cas, voilà. T'as des groupes partout, enfin t'as pas de groupe d'ailleurs. Même pas. à quoi bon ? Alors j'essaie de choper la bonne couleur pour les nuages, voilà, là ça me semble beaucoup mieux. Donc je vais rajouter quelques effets d'atmosphère par endroit. Voilà, donc je rajoute des petits bouts de nuages. Alors ce custom brush est pas terrible. Alors, on va prendre celui-ci. Petite taille. Il y a Krylox et Mao qui échangent sur la qualité de la progression. Alors Mao Morniti qui disait, ouais, avec les cours de DPS, je suis passé de 30 brushes à 3 et tout est tellement plus facile depuis. Tu
m'étonne, plutôt que de fabriquer des tonnes de brushes. Ouais, ça c'est le souci lorsqu'on débute, c'est effectivement choper les bons brushes et surtout comprendre qu'il vaut mieux en avoir 3 et bien les maîtriser, plutôt que d'en avoir 1 million. D'ailleurs, on peut le voir depuis, rien que dans cette démo, au final, j'ai utilisé principalement 3 brushes, je pense, justement, depuis le début, quoi. J'ai pas fait beaucoup plus de travail que ça. Voilà, donc là, on peut rajouter quelques nuages qui vont passer. Voilà, les nuages sont vraiment pas incroyables, mais... Kaidal qui nous dit, tiens, tu écrases jamais tes calques pour pouvoir les retravailler et mieux contrôler ton image, ou t'attends d'être satisfait pour les écraser? Je les écrase pas. Voilà, je vois pas l'intérêt de les écraser. Ça m'arrive quelques fois lorsque mon PSD est trop lourd, par exemple, mais sinon, je préfère avoir tous les calques... Et puis, si je puis me permettre, alors c'est complètement en dehors du painting de départ, quoi, mais si jamais tu n'écrases pas tes calques, ça te permet aussi un autre truc tout bête, c'est de fabriquer une espèce de petite animation de parallaxe entre le premier et l'arrière-plan assez facilement. Alors que si tout est déjà écrasé, là c'est fini, quoi. Bonne chance pour redécouper et tout, c'est encore 3/4 d'heure de boulot. Alors qu'en le laissant tel quel, il y a largement moyen de faire très doucement comprendre comment ça bouge, mettre une petite musique, et ça peut vous donner une bonne petite ambiance. Et ça se fait sous After, sous Photoshop, sous tout ce que vous voulez, au choix. Alors, maintenant, je m'approche de la fin, hein, je précise, parce qu'il est 13h passé. Bon, je vais essayer de faire les petites modifs qui vont faire ressortir un peu le truc. Alors déjà, voilà, ça, je trouve que ça change vraiment tout. Donc là, ce calque d'incrustation, celui qui rajoute la lumière ici sur le côté, donc ce calque-là, le fait de l'avoir remis par-dessus, là, je vais le remonter par-dessus ma perspective atmosphérique, ça fait tout de suite ressortir beaucoup plus les lumières. Donc c'est déjà beaucoup plus sympa. Je vais revenir ici sur mon petit chapeau. Voilà, je vais faire la même chose. Donc là, je vais repeindre à la main dessus. Je prends la couleur des highlights. Je vais prendre un custom brush. Je vais prendre mon brush qui s'appelle Jean-Georges. Ah, il n'est pas renommé dans ce pack. Oh zut. D'habitude, il s'appelle Jean-Georges. C'est parce qu'en fait, j'ai pris une version de mon pack qui n'était pas à jour. Et voilà, là, je vais peindre quelques highlights. Donc encore une fois, je suis parti de photos. Mais maintenant, les photos, c'est fini. Voilà, je ne fais plus que peindre par-dessus. Tes photos t'ont permis d'avoir des bases de textures, de couleurs, de rendu, de position aussi. Et maintenant, c'est... Après, ça ne veut pas dire que je vais peut-être vouloir gagner du temps à un autre endroit en reprenant justement de nouveau la texture. Ça peut arriver. Mais là, c'est l'étape amusante où on repeint par-dessus. Et où, mine de rien, bah là, ça ne va pas spécialement nous faciliter le travail si on n'est pas déjà à l'aise et qu'on n'a pas déjà des bases assez solides. Ok, je vais rajouter pourquoi pas quelques petites lumières là en dessous. Tu me filerais le PSD à la fin de ça pour que je fasse une masterclass à la rentrée sur comment faire un bout de parallaxe qui bouge? Ouais, bien sûr. Merci. Par contre, ça me gêne un peu de te le passer parce que si tu veux, je nettoierai d'abord. Ok. Je te l'enverrai après. Non, il n'y a pas d'urgence. Mais... Après, pour l'instant, il y a combien de calques? Quarantaine peut-être, ça va? Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas encore 400. Mais ça me gêne pas justement. L'idée de pouvoir partir de la matière brute, ça pourrait être intéressant justement. Ouais. Comme tu veux, il n'y a pas de souci, en tout cas, c'est avec plaisir. Merci. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez, mais si vous pensez que l'image le mérite, je la continuerai sûrement chez moi quand j'aurai du temps. Alors je ne sais pas du tout quand ce sera, mais je la continuerai, je la terminerai pour montrer un petit peu que vous avez vu l'intention de départ avec le début de ce process. Il reste encore énormément de travail pour que ce soit vraiment assez proche de la vision finale que j'en ai. Donc c'est si ça, vous voulez, je la continuerai après, et puis je sais pas si toi tu pourras peut-être la reposter quelque part. Moi je reposterai derrière, on fera un petit retweet de ce qui se fait derrière, parce que de toute façon c'est une des questions qui est arrivée là tout à l'heure, quelqu'un qui disait oui, ça vaudrait le coup de faire une session en live sur ta chaîne à toi, pour poursuivre l'image, donc c'est bon, t'es parti pour 10 heures. Pourquoi pas, par contre ouais, ça va être costaud. Bon là voilà, je rajoute un petit peu de perspective atmosphérique, encore à certains endroits, j'explique quand même rapidement ce que je fais. Donc lorsque je dézoome, le fait d'avoir quelques nuages qui passent par-ci, par-là, voilà, on commence à gagner un petit peu en profondeur. Je vais en rajouter aussi un petit peu par-là, parce que je trouve qu'on voit un petit peu trop cette partie, et je me répète tout le temps, je le sais, je radote, Leonardus me le dit tout le temps dans les vidéos, mais voilà, là où il y aurait maintenant un gros travail à faire, c'est vraiment ici à gauche, toute cette partie, qui pour l'instant n'est pas super intéressante, elle est un peu trop, enfin bref, elle est vraiment bizarre, ça mérite un gros retravail, je le redis. Ne prenez pas ça pour quelque chose de terminé. Maintenant, je vais faire un petit calque magique. Je vais faire ça en incrustation. Donc, j'ai créé un nouveau calque par-dessus tous les autres. Je vais prendre mon brush soft. Voilà, il est déjà sélectionné. Je vais prendre cette couleur un petit peu orangée. Et je vais essayer de faire un petit effet de lumière, une espèce de petit lens flare ou je sais pas. Juste en peignant comme ça ici sur la limite. À cet endroit-là. Hop, on prend ensuite du blanc. Je repasse juste sur le bord.
Et ça fait déjà son petit effet. Soleil, là, je vais encore le renforcer. Alors, j'ai pas non plus envie de trop le renforcer parce qu'après, ça fait un petit peu film de Michael Bay avec des lens flares partout et voilà. Visiblement, il y a du public. Ouais. Après, je rentrerai pas dans ce débat, mais donc j'accentue un tout petit peu l'effet. En tout cas, je suis content que tu sois pas allé jusque le filtre Photoshop de flair. On vous montrera pas où il est rendu. Voilà, j'ai arrêté de m'en servir en 2011, je crois, et c'était une des meilleures décisions de ma vie. C'est juste avant l'image que tu nous as montré de transition. De... voilà, c'est ça, j'ai eu un déclic, je dis, ah non, il faut que j'arrête d'utiliser les filtres, le filtre océan de la galerie de filtres. D'ailleurs, peut-être qu'ils les mettent à jour un jour. Je pense qu'ils les mettent à jour de temps en temps, mais ils ne précisent pas, il faut que les gens le découvrent. Tiens, moi j'ai une requête d'ailleurs pour Adobe, il faudrait que je le fasse une fois, c'est le flou radial. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, ce truc n'a jamais été mis à jour, c'est une plaie à utiliser alors qu'il est super pratique. Il est super, je suis entièrement d'accord. Alors là, par exemple, je reviens juste un petit peu sur ce que je fais, parce que c'est un peu le but. Je rajoute quelques rayons lumineux, je vais baisser l'opacité de mon brush d'ailleurs, ce sera plus facile, mais juste faire quelques rayons qui passent de manière assez subtile, j'essaye. Hop. Alors pour l'instant, je les peins de manière vraiment très forte. Ils sont très visibles, trop forts, mais c'est normal, c'est le but. Voilà, ils sont d'ailleurs pas très droits, pas très bien orientés, mais c'est pas grave. Vraiment pas du tout. Hop. Voilà, j'essaye un petit peu de rattraper ça. Alors je fais une micro-pause pour lire un petit peu vas-y. Ce qui est dit. Là en plus tu vas avoir de la lecture. Vu que tu viens de poser la question justement sur le flou radial qui mériterait effectivement un petit peu plus d'amour de la part de l'équipe, je vous ai passé un petit lien juste à l'instant dans le chat sur un truc qui s'appelle feedback.photoshop.com. Quand vous avez des trucs qui vont pas bien sur votre Photoshop ou vous voulez des améliorations, vous n'hésitez pas à le demander. Et plus il y a de gens qui votent pour une fonction, plus elle a de chances d'être mise à jour. Voilà, je vais voter, il va me dire que oui, je veux bien voter pour cette fonction. Et une fois que c'est fait, hop, vous voyez que MeToo, voilà, on est 9. Et je vais suivre aussi, comme ça, quand ils auront mis à jour le flou radial, ça fera vraiment du bien. Notamment, voilà, une fenêtre plus grande, une preview interactive, être capable de revenir à zéro, etc. Mmh. Et voilà, il y a plusieurs demandes dans ce sens-là, mais je pense que ça fait vraiment pas de mal de voter là-dedans. Voilà. Donc n'hésitez pas. Feedback.photoshop.com. Ouais, moi le premier, il faudrait que je m'en sers beaucoup plus de ce lien parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont géniaux et d'autres qui sont vraiment vraiment améliorés. Pour le coup, il y a des tas de trucs où justement on n'a pas le temps de faire la demande de fonction, mais en général là-dedans, en gros, la demande de fonction elle a souvent déjà été faite par d'autres. Donc il suffit juste de cliquer sur vote. Mais tu regarderas dans le replay, il y aura le lien vers cette page. Alors attends, je suis sur un mauvais calque. C'est parce qu'il n'est pas renommé. Alors là, je suis pas dans la... Ok, bon, là, je repasse un petit peu juste sur les bords de cette liane, parce que les bords sont très, très nets, ça tire beaucoup l'œil, ça fait... On a encore ce côté un peu très photo, et pas assez painting par endroit, donc c'est pour ça que je repeins dessus. Ça, c'est normalement une étape qui est très longue, et en même temps, qui est assez amusante à faire. Mm-hmm. Donc là, je le fais un peu vitesse accélérée pour faire comprendre le truc. Changer de brush, d'ailleurs. Mais c'est comme ça, voilà, qu'on va commencer à harmoniser un petit peu le rendu, qu'on va aussi enlever ce côté collage photo, voilà, je crois que c'est vraiment le meilleur terme. Et par contre, il y a des zones comme celle-ci, on va rester volontairement justement très très détaillé. On va rester très très tranchant avec des bords très très nets, ça c'est important. On pourrait, pourquoi pas, ça pourrait être sympa peut-être de mettre, je sais pas, des petits échafaudages, des petites structures en construction. Après, voilà, il y a un gros travail encore à faire ici au niveau storytelling, au niveau design. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette image. Je pense qu'elle a pas mal de potentiel pour ajouter des trucs assez rigolos. Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est maintenant j'ai le temps, mais je crois que ce sera ma toute dernière étape. Il faut savoir s'arrêter, malheureusement. C'est de rajouter des petits... comment ça s'appelle? Des aéronefs, ne me trompe pas. Des petits bateaux qui volent avec des petites hélices. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça rajoute de la vie, en plus. Ça rajoute du mouvement. Ça, c'est encore une fois un élément d'échelle. Ah ben, le blanc, notre moyen de transport. Donc tout à l'heure, on en a parlé justement, on se disait, tiens, est-ce qu'ils vont devoir se déplacer de liane en liane avec les œufs? Et finalement, ils ont bien la techno pour se déplacer d'un élément à l'autre. Et ça, c'est bête, tu vois, mais c'est un truc qui me fait dire que je suis sur une très très bonne image, lorsque justement, c'est les gens qui me donnent des idées. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un vient te dire, ah oh, putain, j'imaginerais bien ça, tiens, il pourrait y avoir ça,
Et tiens, là, ça veut dire que tiens, tu tiens un truc, il y a du storytelling, les gens se projettent dedans et ils pensent à des choses, ils ont des idées. Donc, c'est qu'en général, une image a vraiment déjà un bon potentiel. Et d'ailleurs, je rebondis sur un truc que je dis presque à chaque fois, mais qui est hyper important pour ceux qui veulent progresser. Demandez des avis, demandez des critiques. Même là, si vous n'avez pas fini votre image, allez sur le forum de digitalpainting.school ou sur le Discord et postez votre image, demandez des avis. Ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'améliorer le travail, de faire quelque chose de beaucoup plus solide. Tout à fait. Rien que moi, je vois ma dernière illustration en date, justement, que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu des avis absolument super de gens vraiment talentueux, de diverses personnes, et ça m'a permis de faire une image qui n'aurait pas été moitié aussi bien sans leurs avis, quoi. En fait, on se retrouve aussi dans des process qui sont plus proches de ce qui se fait au cinéma. C'est-à-dire où tu n'es pas tout seul sur ton image, tu n'es pas juste un artiste perdu... au milieu de tout ça, tu fais partie d'une production où tu peux, en tout cas, c'est ce que tu peux ressentir grâce à des forums, où tu peux complètement faire aider. Complètement. Non, voilà, faut pas rester dans son coin, faut pas rester isolé. Je pense que si c'est dans cette masterclass, eh bien, un conseil que je peux faire passer, c'est ça. C'est vraiment inscrivez-vous, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit DP School, que ce soit peu importe où, mais juste essayez de faire partie d'une communauté, d'avoir des gens qui vont vous motiver, vous filer des critiques, bien sûr, des critiques constructives. Il y aura toujours des trolleurs de temps en temps, mais bon. Ça, faut savoir les ignorer. Alors là, je fais un petit aéronef qui est garé. Hop. Avec ces petites hélices derrière. Voilà, bon, après, je fais un petit peu n'importe quoi. Mais ça permet de comprendre le truc. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, bah, ces petits aéronefs, on pourra en rajouter un ici, beaucoup plus près. Encore et toujours, pour qu'ils viennent renforcer l'échelle. Alors moi, ce ne sera pas un aéronef, ce sera plutôt une espèce de... Le caillou qui flotte. Voilà, un petit étron volant. Ah. Tu as donné une définition plus radicale. Bah, ça me fait penser à ça. Mais bon. Mmh. Alors, c'est vrai que j'ai mon calque de nuages par-dessus. Hop, c'est pour ça que j'ai des résultats un peu bizarres. Et puis on va prendre une couleur un peu plus claire pour le dessus. Ok, bon. C'est vraiment fait à la va-vite. Mais voilà, en fait, on va rajouter ensuite d'autres par là. Petite hélice, on va peut-être lui faire... petit peu de truc. Donc là, c'est pour ça on peut s'éclater sur une image comme ça avec des éléments de design pour imaginer les aéronefs, pour imaginer la forme du village. Même là, hein, je pense que la forme peut être vraiment beaucoup plus intéressante encore. Voilà, et dernière petite chose que je vais faire, je vais aller sur mon premier plan ici, je vais enlever un tout petit peu de vert parce que je trouve que le vert est un peu trop puissant. Ouais, puis il est tout seul dans l'image pour le coup. Exactement. Justement, c'est là où ce serait intéressant de rajouter des petits accents verts de couleur là-dessus. Tu vas commencer à redonner. Hein. Voilà. Mais vu que là je les ai pas, je vais pas prendre de risque. Je vais enlever encore un peu de vert. Voilà. Bon, c'est pas parfait. Juste en laisser peut-être un peu plus dans les tons foncés. Et puis je vais prendre mon custom brush. Je vais prendre cette couleur verte et je vais voir si je peux pas rajouter des petits accents de couleur. Pour commencer à faire un premier appel vers la couleur en face. Ouais. Et ouais, voilà. Ok, on va pas tarder à s'arrêter. Et je vais... ah, une fois que je suis lancé, je suis... Ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci, hein, je t'ai dit, on peut le faire en 6 heures. Il faut juste que je pense à commander des pizzas ou un truc. Ça ne sera jamais. On a déjà fait ça, typiquement. C'est vrai? Ce temps-là, on a reçu, mince. Marc Brunet, qui est venu, qui a fait une, séance, vu, une petite séance d'une heure en français, puis il a enchaîné sur une séance de 3 heures en anglais, et au milieu, il s'est fait livrer à manger. Oh la vache, excellent. Du coup, il mangeait en même temps que le. C'est ça. Une fois de temps en temps, il faisait des pauses, Michael organisait un petit peu tout ça, c'était bien. Ouais, ouais. Effectivement. Alors, je vais revoir juste ses valeurs à lui. Et je sais, j'avais dit que ça allait être la dernière chose, mais je vais encore en faire une dernière, juste pour montrer une idée qu'on pourrait faire. Une idée là qui pourrait être sympa. C'est peut-être de reprendre un brush rond, de prendre cette couleur, et peut-être qu'on peut faire une autre liane, en fait, qui serait ici, au loin, en fait, qu'on pourrait deviner, qui passerait à travers les nuages, de cette manière, avec voilà, son petit village en haut, avec ses petites formes un peu spéciales. Alors, je vais la rendre un peu plus bleue. Hop. Alors, ce brush n'est pas terrible, je vais juste changer. Ok, voilà. Je vais pas détailler ça plus que ça. C'est juste pour montrer l'idée.
Ok, je vais m'arrêter ici, je pense. Sinon, je m'arrêterai jamais. Hop. Non, on est bien, là, on est pas mal. Si la branche au premier plan est pas un peu fine, je trouve que ça casse le lien avec la principale. Ouais, je sais pas. Ouais, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que de toute façon, elles sont à deux échelles complètement différentes. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, ce qu'on pourrait faire, effectivement, pour, on va dire, que ça choque peut-être un petit peu moins, c'est en fait de rajouter d'autres petites lianes qui vont venir, par exemple ici, se détacher, je pense que c'est un peu plus foncé, pour faire comprendre qu'en fait, c'est pas juste un bloc, mais qu'il y a effectivement des petites lianes comme celle-ci-là, qui se détachent. Donc ça, par contre, c'est effectivement une idée qui peut être intéressante. Là, tu vas en faire une ici, hop, une à cet endroit-là. Ouais, donner un peu d'ouverture pour pouvoir aussi capter de la lumière là où il y en a. En plus, ouais, voilà. Donc comme ça, on fait comprendre que bah il y a des petits chemins comme celui-ci. Voilà, voilà. Hey, c'est super. Je nous remets en grand dessus. Tu peux. Oui. Voilà, un petit pommesse. Petit pommesse, ouais, une fois de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Écoute, je trouve qu'on a bien voyagé pendant ces 7h30 plus. Quasiment deux. Merci beaucoup à tous les gens qui ont suivi le live. Vous étiez super nombreux aujourd'hui. Ça fait bien plaisir de voir un peu des gens et ça me conforte dans l'idée de se dire qu'on devrait faire un peu plus souvent du painting et que ce serait plutôt pas mal. Merci beaucoup Gaëtan parce que t'as partagé à la fois, t'as relevé le défi de faire une image en direct, ce qui est jamais simple. C'est le tout en discutant, en expliquant exactement ce que tu mettais, pourquoi tu le mettais, quels étaient les choix. Je pense que ça aura très certainement servi à l'audience. J'espère. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Ben oui, donc pour ceux qui nous suivent là maintenant, si jamais vous avez envie de voir comment on peut remettre en place ce truc-là pour de vrai, avec un peu de parallaxe, je récupère le fichier à la fin, promis. Et puis on regardera un petit peu comment ça se fait, mais ce sera sur la rentrée, sans doute en septembre. Mais je partirai de cette version-là. Je partirai de la version pas finie, pour que vous voyez comment on fait à partir d'un pas fini. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que Gaëtan aura une version finalisée à ce moment-là. J'espère. Parce que je pense que voilà, l'image est très très bien lancée. Donc merci à tous, je vois que du coup vous vous déchaînez dans le chat, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'il y a un concours cet été, un petit challenge comme tu avais fait le mois précédent? Alors pour l'instant il n'y en a pas, non, cet été il n'y en aura pas, on va sûrement lancer ça je pense vers septembre-octobre pour le prochain. Pour que les gens soient plus au calme. Ouais parce que là j'ai beaucoup beaucoup de choses à gérer, encore à terminer bien sûr. Ce mois-ci, le mois prochain je suis en vacances. Ah, voilà. Des vacances? Ouais. Et quelle idée aussi? Ah, il faut. Du coup, voilà, j'aurais pas trop le temps de mettre en place ces choses-là, mais dès mon retour en septembre, il y aura plein de nouveautés sur DP School. Il y aura un nouveau challenge qui va être monté petit à petit, un autre gros projet, il y aura aussi du changement sur le site, donc il y a pas mal de choses aussi, des nouveaux cours gratuits que je vais faire, voilà, du nouveau contenu sur la chaîne, plein de trucs. Ouais, parce que j'ai vu que ça a échangé justement, comme je le disais tout à l'heure, sur le type de cours, et il précisait qu'au début de chaque chapitre, il y avait toujours une ou deux vidéos qui étaient accessibles pour les... Ouais, alors c'est plus qu'une ou deux vidéos, c'est un ou deux chapitres. D'accord, c'est carrément les chapitres. Donc un chapitre, c'est en général à peu près 6 heures de vidéo, en moyenne. Ouais, d'accord. Donc rien qu'actuellement, il y a au moins 20-25 heures de vidéos gratuites facilement. Ouais, qui permettent de bien mettre les pieds à l'étrier. Et du coup de bien se lancer. Donc voilà, si vous avez besoin de poursuivre ça. Non, la raison pour laquelle je parlais du challenge, c'était aussi parce que j'ai vu passer dans le forum les échanges sur le Daily Challenge, ou je sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais il y a des gens qui ont lancé ça aussi en parallèle. Ouais, le challenge de l'été, ouais, effectivement, oui, c'est vrai. En fait, c'est un truc que j'avais lancé l'été dernier, et cette année, en fait, faute de temps, je suis le premier peiné, je n'ai pas pu le suivre moi-même. Donc c'est vraiment l'objectif de faire chaque jour un dessin. Et du coup, vu que je ne l'ai pas fait cet été, il y a des membres motivés, plein d'initiatives qui l'ont fait eux-mêmes, par eux-mêmes. Mm-hmm. Et donc j'ai juste relayé la news, mais c'est absolument génial qu'ils soient lancés dans ce défi pour cet été. Défi que moi je me donnerai sûrement d'ailleurs pour la rentrée quand j'aurai au niveau du temps. En tout cas, grand merci à tout le monde. Je vois qu'il y a plein de messages. C'était vraiment sympa d'avoir autant d'échanges, autant de vie. Merci aussi beaucoup à Adobe, merci de m'avoir invité. Je suis très content et honoré d'avoir pu faire ce petit live, d'avoir pu montrer quelques petites techniques. Et puis j'espère que ça a plu et que c'était instructif. Voilà. Oui, il me semble bien. Allez, motivation à tous, bonnes vacances, bon été. Pour ceux qui n'avaient pas percuté, en fait, c'est la dernière de l'été. De mon côté, on reprend en septembre, tranquillement, pour de vrai. Oui, ça fait un mois et demi. Rassurez-vous, dans le mois et demi, on va essayer de préparer la suite pour
pour que vous puissiez avoir des bons sujets à la rentrée. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir de l'image, on va avoir encore plein d'invités pour les masterclass. J'ai vu que Exaspéré me demandait d'ailleurs c'est quoi une masterclass. Ben, ça peut être ça. C'est-à-dire avoir un master qui vous présente un petit peu sa manière de travailler et qui vous donne un petit peu des trucs et astuces, des envies, des idées et surtout de la motivation. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Salut, merci.